Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre bon Rof qui est de retour, 22h minuit, bien sûr. Votre émission préférée, j'ai envie de dire. J'espère que ça va bien. J'espère que ça va bien. Moi, un petit peu fatigué, mais on voit quand même, ça va quand même très bien se passer. Aujourd'hui, j'étais avec le bon Max, accompagné de Marie. Grand jeu de Dina et de Axel. C'était vraiment très sympathique. On a fait trois jeux d'un coup. Trois jeux, trois mini-jeux, on va dire, enfin trois jeux d'ambiance. Et franchement, c'était très très cool. Je sais pas si vous avez pu voir l'émission, mais on s'est bien marré. Et au programme de ce soir, je vais vous proposer, eh bien, d'aller sur le petit, comment dire, le petit, oh, je suis fatigué, le site internet qui recueille notamment la méta de Lorcana. Qui bah, du coup a été mise à jour après le fait que bah, maintenant on soit passé, c'est bon, en 7.4, il n'y a pas de souci, c'est du 7.4, on en bouffe, on en bouffe, on en bouffe. Alors moi j'ai pas trop l'occasion, ça fait du coup 2-3 jours que j'y ai pas joué. Hier j'étais aussi chez Max, je n'arrête pas, j'y suis, j'y étais aujourd'hui, j'y étais. Alors non, hier j'étais pas vraiment chez Max, mais je faisais une avant-première. Magic, c'est pas très très bien passé d'ailleurs pour moi, mais franchement c'était très cool, j'y allais vraiment sans aucune prétention. Mais Max et Lan a fait mieux que moi, ce qui est quand même très bien, j'étais très fier de lui en vrai, de mon petit Padawan vis-à-vis de Magic. Donc ça c'était pour Modern Horizon, c'était hier. Ensuite je suis allé faire une petite soirée, mais qui a duré un peu trop tard, c'est pour ça aussi que je suis un peu au bout de ma life, avec les gars de 4 sur table. Il y avait donc Xari, Genius et Marie Beko, Marie Panka. Et c'était franchement très cool. Voilà. Aujourd'hui, ce midi, j'ai vu Wolf, le duel, qui passe de temps en temps sur le chat et avec qui j'ai un projet du coup de TCG futur. Bref, on a commencé à avancer un petit peu là-dessus. C'était très sympathique. Et ensuite, j'ai enchaîné chez Max. Je suis rentré en transport puisque le périph' était bouché, enfin, était bloqué. Bref. Voilà, plein de bonnes choses, mais du coup voilà, je suis un peu clataxe, c'est pas grave, on va passer quand même une bonne petite émission ensemble, et on va donc notamment revoir la méta un petit peu donc de cette nouvelle méta. Bon, ça commence à faire maintenant ouais quelques temps, mais je sais pas s'il y avait une ancienne. Attendez, avant ça, oui non c'est ça, il y avait rien avant le 9 mai, et là donc, du coup ils ont mis le 6 juin. Sur le site Lorcana GG, j'irai tout à l'heure, évidemment, je vous montrerai tout ça. Donc on va regarder un petit peu cette méta, et je me suis fait un deck donc à partir des listes qu'il proposait, qu'on va tester tout à l'heure, voilà, tout simplement. Mais là, évidemment, on part en blabla temporel, tout de suite j'affiche le chat du passé, qui normalement voilà, devrait arriver. Salut à Simba, j'espère que tu vas bien, salut à Sanguinus, salut à June in the Sky, salut à Gus. Je veux dire bonsoir, il n'y a pas de souci. Salut à Diabo, salut à Nightroro, salut à Yaya Gamer, salut à Griff, salut à Christophe. The Beer Flow, j'espère que ça va. Seb, salut à toi. Mighty Dudes, il y a du beau monde. Salut à Liqueur. Salut à Build'em Kinder. Bonsoir Olivier Ophelos. Salut. Il écrit en gros, c'est très bien. Salut à Sinou également. Potar Toys, Toons. Gauthier, il est de retour pour jouer un mauvais tour. Ouais, c'est exactement. Salut à Hello Elodie, que j'avais croisé au Lorcana des 4, je me souviens. Salut Vito. Salut Q, le boss du bleu-rouge. Salut à Aki. Alors, off, on a Madame Mime. L'Assemblée nationale. Ouais, effectivement. Ok, j'ai la ref. Effectivement, rip l'Assemblée nationale. Rip Pixelborn et rip l'Assemblée nationale, effectivement. Mais bon, on va pas trop parler politique ici. Marie qui a gagné Little Tavern, c'est honteux. C'est vrai, c'était un vol à l'étalage, tout simplement. Pas pu rester pour live tout à l'heure, mais je vais rester demain. Ouais, c'était vraiment cool. Tu restreams pas le live de Chicago. Alors, j'ai vu qu'il y avait en plus, ça va être un peu compliqué, parce que j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de regarder ça. Eh, c'est pas grave, mais effectivement, il y a en ce moment un Lorcana Challenge à Chicago, donc et donc bah oui, ça me fait un peu concurrence. Je sais, ils avaient hésité à le faire parce qu'ils savaient que j'avais mon 22 minuit, puis finalement, ils l'ont fait quand même. Bon, bah tant pis. Quelqu'un sait si Rof a prévu de faire une analyse par couleur du 7-4? Alors, je sais que j'ai pas prévu en fait, c'est un peu trop tard. Maintenant, j'aime bien faire des analyses avant que l'édition sorte ou à peu près en même temps, quoi. Et là, comme il y a eu l'île, j'ai pas pu la faire, et comme ça me prend un petit peu de temps et que maintenant ça commence à être, je sais pas. Ce qui est intéressant avec ces analyses, je trouve, c'est de dire, bah voilà quelles sont les nouvelles cartes, vous les connaissez peut-être pas tous encore, j'ai analysé un petit peu avec ce que je savais d'anciens jeux, ou de, bon là en l'occurrence peut-être un petit peu plus maintenant sur leur canal, et je vous donne un petit peu ce que, voilà, soit comme font penser certaines cartes, est-ce que ça a l'air d'être bien, dans quel archétype, etc. Maintenant que la méta est déjà plus ou moins en place, même s'il y aura forcément encore quelques surprises, c'est moins utile. En tout cas, vu le temps que ça me prend,
Je vais pas faire ça, mais j'espère que le 7-5, je pourrai le faire tranquillement, quoi. Quelqu'un, donc ça c'est bon. Salut Maître Bucky, merci à toi. Banana, j'espère que tu vas bien. Je me souviens de toi aussi au Lorcana Challenge. Salut Laurie. Il y a beaucoup de filles, enfin, il y a beaucoup plus de filles déjà sur ce genre de live qu'à l'époque où je faisais du Magic et même. Oh, Marvel Snap. Non, mais quand même, Marvel Snap. C'est cool de voir que Lorcana amène un public féminin, on ne le dira jamais assez. Salut Night Crash. Je vote pour off Premier ministre, un peu d'actualité. Sachez que je serai le Premier ministre de tous les Français et toutes les Françaises et que j'instaurerai obligatoire deux choses. Je sais pas où je vais arrêter. J'avais des trucs plus ou moins sales en tête. On va rester Disney friendly et je vais continuer à vous lire. Hello, je sens qu'on va être déçu le 12 juin. Oui, alors qu'est-ce que effectivement il parlait d'un. Attends, on va regarder ça tout de suite. Il parlait d'un truc à célébrer le 12 juin. Je sais pas si vous vous rappelez. Tout le monde avait dit oui. Bah, on espère que ce sera un nouveau client online qui remplacera donc Pixelborn. Et alors attends, tu m'envoies ça. Je vais lire ça tout de suite. Lorcana Trading Card Game, un nouveau Lorcast arrive bientôt. Rejoignez-nous pour notre deuxième Lorcast qui aura lieu le 12 juin. Donc ce sera à 13h heure de l'Est, 10h du Pacifique. Du coup, je sais pas trop à quelle heure pour nous. On compte cette émission passionnante. Donc déjà, ça s'annonce passionnante. Ça a un peu survendu, je trouve. Mais nous présenterons en avant-première le prochain set. Ah, il n'y a pas de Pixel Born Like. Hein. Retrouvez-nous sur Twitch. Bah donc c'est là où ils sont en train de retransmettre le truc pour participer à cette conversation en temps réel. C'est une excellente façon de discuter avec d'autres fans, d'en poser vos questions aux créateurs du Lorcana. Je pense qu'il va y avoir un nombre incalculable de Pixelborn. Je pense qu'ils vont bannir le mot Pixelborn du chat. Et je pense que. Mais ils en sont au courant, hein. Ils en sont au courant, Ravensburger, que bah voilà, il y a forcément une déception. Moi d'ailleurs, il faut que je m'en occupe là dans d'ici une semaine normalement. Donc Pixelborn ferme ses portes. Il va falloir que je trouve un remplaçant. Faut que je teste TTS éventuellement. Faut que je teste donc Tabletop Simulator. Faut que je reteste un petit peu le truc là qu'on m'avait envoyé et qui faisait à peu près le taf. Mais bon, c'est vrai que ça va être un peu plus compliqué. En plus, en parallèle, on a joué du coup à Star Wars, nous, avec Max. C'était quand, vendredi soir, du coup? Oui, c'est ça, oui, ça. J'enchaîne que des soirées avec Max en ce moment. Ou des journées, mais bref, en tout cas, je passe un peu ma vie avec. En même temps, c'est un peu mon boulot. D'ailleurs, si vous voulez voir, il y a cette émission-là qui a été mise sur YouTube. Attendez, je vais passer par là pour vous montrer, ce sera plus propre. Voilà, oh là là! C'est la première vidéo, attendez. Je vais aller sur ça. Regardez comme c'est beau. Je peux zoomer ou pas? J'ai la classe, hein. Oh là 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 là, vous n'êtes pas prêts. Bon, là, la vidéo s'affiche en mauvaise qualité. Regardez-moi. Comment je pourrais dire? Brof Baffette. Un truc un peu comme ça, quoi. Attention. Oh là là, la classe! La classe, on vous montre les meilleurs decks Star Wars. Ouais, c'était cool avec Sky. Ferme-la! Ferme-la! Avec Sky Chapon, qui est donc un. Oula, du coup, c'est gros. Qui est donc un cagoulé, comme on dit, de Star Wars, qui organise un gros tournoi Star Wars le 15 juin, mais qui est complet. Et voilà, on a fait quelques games, on a pas mal discuté, on a fait quelques games quand même. Et c'était cool. Voilà, du Star Wars, pareil, ça fait partie des trucs. Peut-être que je pourrais en faire un peu plus souvent. Ici, on verra le remplaçant de Pixelborn, encore une fois, s'il est à la hauteur. J'espère quand même. C'est cool, Pixel. C'est cool, leur canapé. Salut Boudouma, salut 21. Au cours de cette émission passionnante, vous présenterons en avant-première le prochain set. On sait ce qu'il y aura. Ouais. Bah, le côté célébration, ouais, c'est juste que c'est le. Bah, du coup, ce sera le set des 1 an. Donc peut-être qu'ils vont faire un truc un peu particulier. Mais bon. Mais en même temps, c'était un peu évident. Hein, mais ah, on y croit encore, on y croit encore. Moi, surtout, encore une fois, ce que j'aimerais bien, c'est la transparence. C'est dire, ah bah voilà. C'est jusqu'à maintenant qu'ils n'en parlent jamais de Pixelborn. C'était logique, puisque ils étaient en mode, vas-y, ça passe, tranquille. Mais maintenant que c'est officiellement arrêté, peut-être dire, ah au fait, c'est rip quoi. Ou est-ce qu'on a un truc en parallèle? Est-ce que non? Machin. Merci beaucoup, le Viagile, pour le sub, t'es un boss. Merci beaucoup, salut à Maestelia, salut à Strawberry
Ivito qui salue Maestelia, effectivement, comment ça par ici. Je suis un peu éclaté de fatigue, mais encore une fois, on va passer un bon petit moment. C'est le petit Quick La Boss qui a encore gagné un tournoi local de ce qu'elle m'a envoyé. Bon, après à Nantes. Voilà. Allez hop, je vais me faire des copains. Dès que le live de Rof a été lancé, on a vu une baisse d'audience de 99% sur le stream de Chicago. Eh oui, désolé, désolé Ravensburger, j'aspire tous vos viewers. Salut Rip, Rip ou Ripel, Rip, bon, je t'appelle Rip, ça va bien. Salut Rulio, salut Flo Wizo. Obligation d'utiliser le format standard dans tous les jeux avec des cartes. Ah oui, en tant que Premier ministre, ouais, je pense que déjà il y a ça. Ouais, clairement, clairement. Bonsoir, est-ce que tu as vu les Decklist de Chicago? Non, mais je veux bien, si tu as si tu as un lien à me passer, je le prends volontiers. Salut Bad Blask, on est déjà parti 5 minutes dans le passé. Ouais, je vais le rattraper vite là. Je pense que je vais le rattraper vite. On va plutôt jouer que parler ce soir. Je le dis, je le ferai. Ils sont forcément au courant que c'était une idée de merde, ok. Inktable, faut que je regarde. Un kiff l'émission Star Wars, bah nickel. Nickel, nickel. Maintenant que ça n'existe plus, il n'y a plus besoin d'en parler. Oui, il y a ça aussi. Tu peux voir comme ça aussi, c'est vrai. Salut Aneasta. Salut Nanouche. Salut, quelle nouvelle mécanique aimerais-tu voir dans le 7-5? Bonne question. Bah déjà, j'aimerais peut-être voir une nouvelle mécanique dans le sens. Là, les mécaniques du 7-4 étaient des ressucés, si je peux me permettre, de mécaniques qui existaient déjà. L'unisson et le. Et le. Et donc c'était quoi, chanter à l'unisson? En vrai, des chansons à l'unisson, on est d'accord qu'il y en a pas vraiment dans les decks. J'avais peur qu'Ursula soit devienne beaucoup trop forte et en fait bah, c'est trop cher quoi. Donc en fait quand tu la pioches et que t'as pas de quoi la chanter, bah, c'est compliqué. Donc que je sache en tout cas, peut-être qu'il y a un ou deux decks qui s'amusent avec, mais en tout cas dans les decks les plus forts du format, on les verra tout à l'heure, je crois qu'il n'y en a pas. Et sinon c'était quoi le truc? Ah par contre le. Bah en fait, en vrai c'est un peu con parce que l'alter. Où il faut pas payer mais il faut défausser. Alors si quand même Diablo, on peut quand même de temps en temps défausser une chanson, moi je l'ai fait. Mais en réalité, Aladdin, on s'en fout un petit peu. J'ai plutôt l'impression que, enfin, j'ai jamais vu défausser un lieu pour mettre un Aladdin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'on n'en voit pas beaucoup hein, des altères qui ne sont pas des coups. À part Diablo, ouais. Bon, y a Diablo qui est suffisamment fort et qui peut suffisamment arriver tôt pour qu'on puisse l'utiliser. Mais voilà, donc de vraies nouvelles mécaniques, ça pourrait être vraiment, vraiment cool, quoi. Merci beaucoup à Neasta pour le sub. Le boss, merci beaucoup. J'arrive de toute façon bientôt au chat du présent. Donc ça, c'est bon. Bababam. Bonjour à tous, bonsoir off top l'émission Star Wars. Enfin, ouais, hâte d'affronter un jour à ce jeu. Ouais. Alors justement, je ne pourrais pas moi faire l'événement du 15, mais on a déjà un gros tournoi qui va être prévu, je crois que c'est en septembre, où je jouerai. C'est cool, je suis payé pour jouer. Ce serait mon rêve sur tous les tournois. Et souvent, je suis quand même défrayé, invité, je ne vais pas me plaindre. Mais, enfin, plutôt invité, défrayé, c'est quand même rare. Mais là, là, on est. Alors, il y a Max qui est payé pour du cast, Marie qui va être payée pour comment ça s'appelle? Du community management, de la com, quoi, et moi pour jouer. Bon, nickel. Franchement, si vous pouviez, les organisateurs, si vous pouviez tous faire ça, on serait très content. Merci beaucoup, Ultera. Alors, du coup, pour les decklists qu'on va regarder tout à l'heure, je me le fous en. Bon, je me le mets quelque part. Ok, nickel. Tac. Voilà, on va aller voir ça tout à l'heure. Maestelia, c'est surtout bien trop risqué pour eux de dire on a possiblement un truc en parallèle. Si derrière le projet se fait annuler ou quoi, ne rien dire avant qu'ils en soient 100% sûrs que ça sort, c'est un classique en marketing. Ouais, bah, malheureusement. Moi, je prône plutôt la transparence, mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est pas ce qu'ils font. Moins de blabla, plus de leur canard. Ok, c'est promis, Gauthier. Promis, on va pas tarder à switcher. TF1, ils font comme toi, ils diffusent le match de la France du passé avec 15 minutes de décalage. Magnifique. Ah, je crée des habitudes. Salut à Folken. À quand? Un deck, j'imagine, anti bleu rouge. Moi, je veux juste ça. Ouais, pas évident, hein, mais effectivement, pour moi, bleu rouge est au-dessus hein, en ce moment. Beaucoup râlent de Bucky, et je peux comprendre. Hein, Bucky peut être très fort et assez frustrant. Bleu rouge, il est costaud. Bon, mes petits amis. Vous avez dit, on va enchaîner. On va enchaîner. On va regarder un petit peu ce que nous a envoyé du coup Ultera. Merci beaucoup. C'est donc visiblement le. Alors c'est quoi en fait exactement? Je pense que c'est le top 64. C'est-à-dire que c'est pas celui qui a fini premier.
Enfin, c'est pas l'ordre puisque c'est encore en train de se jouer. Mais en tout cas, c'est les 64. Alors, je sais pas s'il y a tout. Ouais, il y a tout. Bon, on va pas tout regarder. Je vous affiche ça comme ça. Je zoome ici. Et on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Amber Steel, très bien. Vas-y, je vais regarder quand même à chaque fois, chaque peut-être au moins une fois l'occurrence de chaque deck. Ici, on a quoi? Donc, deux Cendrillon, deux Cendrillon, quatre Robin, quatre Queen Smee. Ah, ça joue des Pridelands plus des Sleepy. Ah ouais, d'accord. Quatre flûtes et trois. Ah, il a pas peur d'avoir des cartes en encrable, lui. Hein. Un Bernard Cécidis, trois Ursula. Pardon, oui, trois Ursula à deux. Ok, des Ariel bien sûr, des Storm. Mais attends, il a combien? Attends, je vais faire son compte de noms manquables. 7, 11, 12, 13, 13 plus 6, 19. 19, bon, c'est beaucoup, mais je sais pas pourquoi je m'attendais à plus. C'est beaucoup quand même, hein. C'est beaucoup, ça fait quand même à peu près un tiers du deck. Mais. Ok, donc on veut jouer des Queen ou des Robins très vite pour pouvoir chanter évidemment. On n'a que deux Grab Ursword, pardon. Et en même temps, à la fois c'est très bien contre Diablo et à la fois contre, par exemple, Bleu-Rouge, c'est vraiment pas fou. Des Zeus, ok. Des All New World quand même pour pouvoir, justement, là, le but ça va être de chier sa main et après de se refaire. Faut vraiment que j'arrive à rejouer un peu mieux. Enfin, faut que j'ai pas beaucoup joué Amber Steel. Mais en vrai, c'est un deck qui clairement pourrait me plaire. Ça me fait un peu chier quand je suis au top deck et que. Mais il a vraiment une sortie qui peut être très explosive. Et ça peut être cool. Et tu peux du coup contrer les Diablos avec les All New World. Après, je sais pas trop ce que ça vaut contre Bleu-Rouge. C'est compliqué. C'est peut-être pour ça qu'il met des trucs comme ça là, qui permettent de gérer des cartes à 5 ou plus. T'as envie de gérer quoi? Des 6 sous? Des 6 sous à 5? Mais bon, après, une 6 sous, une fois que tu l'as joué, c'est relou. Y a rien pour casser les objets. C'est bizarre. Moi, j'aurais mis, je pense, des soit des Benja, soit des. La chanson, en plus c'est une chanson, A4 là, qui permet de tuer tous les objets. Mais ok. Alors. Un violet vert Pégase aggro contre les bleus rouges, contrôle objet de partout, ça peut marcher gentiment, pas ultra stable, mais ça change un peu, ok. Amber Steel perd contre. Dur contre bleu rouge, ouais, effectivement. Salut à toi, Swan. S'ils sont un peu aggro, c'est costaud, ouais. Sissou et Tamatoa. C'est vrai que ça gère aussi Tamatoa. Tamatoa est 5-8, t'as raison. Cuckoo 4 flûte plus 3 Pride Land contre Rouge Bleu. Il a 2-0, pas mal de RB et 2-1, un RB en stream. Ok. Ah oui, c'est vrai que les lieux, ça reste un problème pour Bleu Rouge. Hein. Ça, c'est vrai. Et ce lieu-là, il est pas mal parce qu'en plus, il a 7. Donc, il peut se prendre un coup de Maui sans mourir. Et. Ok, intéressant. Il joue des objets aussi. Ah oui, c'est vrai que la chanson elle tue tous les objets. Ah oui, en fait j'ai l'habitude de la penser soit dans violet-gris, soit dans. Enfin, j'ai l'habitude. En tout cas, j'avais failli la mettre en x1 pour rigoler comme ça. Dans vert-gris qui joue pas d'objet. Et violet-gris, le seul objet éventuel c'est peut-être un grimoire qui traîne, mais bon. Mais là, c'est vrai que quand tu joues des objets, c'est un peu con de faire un truc qui dit détruire tous les objets. Bon, je peux l'entendre. Quelqu'un sait. De quel film vient la sphère d'endurance? Alors de ce que je sais plus qui m'a dit, petit quick, je sais plus. Ça viendrait pas spécialement d'un Disney, ça vient de l'or de l'Orcana justement, de ce que j'ai compris. Ok, bon en tout cas intéressant et ça il faudrait que je teste ce genre de jeu. Oula, justement un violet rouge qu'on va voir. J'imagine 13 aggro, 2 Tchernabog, 4 Merfolk, 4 Pégase, 4 Flynn. Madame Mime Ursula, 4 Diablo bien sûr, Friends, Jack, quand vous jouez ce personnage, alors c'est une 1-4 pour 3, quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne, attends, je peux zoomer plus ou ouais, ça va. Qui gagne Reckless, donc c'est combattant, il doit attaquer, durant son prochain tour. 1-4 pour 3, en vrai ça a des stats qui sont pas mauvaises, 4 c'est un peu dur à. Ouais, en même temps, en ce moment, on regarde beaucoup la force, hein, à cause de rouge. Et le fait de filer Reckless, ça peut être bien s'il a résolu un Flavorsham éventuellement. Tu lui dis, bah tiens, t'es obligé d'attaquer au prochain tour. C'est peut-être pas mal. 2 kits, 4 Madame Mime. Ça, j'aimerais bien jouer ce genre de deck. Parce que j'aime bien le violet. Et avec 3 Ursula. Ah, j'aimerais bien tester ça.
En fait, j'avoue que les deux decks que je viens de voir, j'aimerais peut-être plus celui-là. Celui-là, peut-être plus. Il y a des Diablos. Il y a des. Oui, bah, j'aime bien le vert, j'aime bien le violet. J'avais un peu de mal avec vert-violet dans le set 3. Mais aussi parce que j'avais l'habitude de jouer. J'avais commencé à prendre l'habitude de jouer violet-gris et que j'avais un mauvais match-up contre violet-gris. Donc j'étais un peu en mode c'est relou. Je sais pas s'il y a beaucoup de violet-gris. On va dégager ces cons-là. Est-ce qu'il y a du violet-gris? Attends, je vais regarder un petit peu le metagame breakdown. Donc, on a Steel Song. Donc, gris, jaune, violet, vert, rouge, bleu, c'est évident. Il y a quand même, alors que rouge, bleu est fort, des gris, bleu, on verra s'ils sont adaptés. Donc, 4. Des discards, évidemment. Oh bah tiens, on parlait de Sing Together, on parlait à l'unisson. Lui, a priori, il en joue. Attends, je vais pas me perdre. Je vais pas me perdre. Donc il y a un deck un petit peu bizarre. Donc je crois que c'est le cinquième. Si je dis pas de bêtises. Beaucoup de bleu-rouge, bien sûr. Il y a un, oh, ça m'intéresse. Il y a un violet-gris. Il y a un petit rouge-jaune. Pas mal de discards, bien sûr. Y a beaucoup de gris. Hein. Et je crois que c'est à peu près tout. Ok, donc on va regarder un petit peu les trucs bizarres. Donc il y a un jaune vert. Alors c'est marrant parce que je me suis fait un petit jaune vert là. Enfin, je me suis fait. J'ai récupéré du coup sur le site un jaune vert marqué qui ressemblait pas du tout, du tout à ça, mais plutôt un jaune vert défausse. Mais ça, en fait, j'aimerais bien le tester par curiosité. Diablo, Kida, Flynn. Ok, tu joues peigner les roses en rouge. T'en fais quoi ce truc là? Un personnage. Attends, c'est quoi cette espèce de bande dégueu là? Pas la retirer? Bon, tant pis, le but c'est que vous voyez mieux les cartes. Alors, c'est quoi? C'est une chanson qui dit que jusqu'à deux personnages vont avoir moins 1 de force ce tour-ci, piocher une carte. Et en fait, ça, le but du jeu, ça va être de les. Ouais, ça, de les bouncer, j'imagine, avec Muse. Donc, c'est pour ça que c'est sympa quand tu baisses les forces. 4 Sun and Shield pour défausser. Burning Cities, il y a 4 jaunes. Ah, ça m'intéresse ce jeu. C'est quand même un deck défausse, mais pas du tout celui que j'ai récupéré tout à l'heure. 4 Ariel, ok, 4 Ursula. Les muses, You Have Forgotten Me pour défausser. Les criquets, le boss. 4 Kida, 3 Lucifer, 4 Bruno et 3 Under the Sea qui, on rappelle, donc c'est à l'unisson. C'est marrant parce qu'il joue vert, il joue plein de chansons. Ah ouais, putain, il joue vert, il joue plein de chansons et il joue pas la Ursula à 3. Oh, c'est couillu. Hein. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a déjà. Il faut de la place pour Ariel, Diablo, Prince Jean. Oh, c'est chelou, hein. On a envie quand même plutôt de mettre un petit Sudden Shield. Oh, c'est chelou comme deck. Vas-y, j'adore les decks un peu bizarres, surtout en début de méta. C'est un peu sympa. Voilà. Et alors ensuite ici, on a donc un je vais y arriver. Un violet gris. J'aime bien les violets gris. Qui joue deux Captain Crochet, deux Fear the Cannon, je comprends. 4 Blue Fairy, ok, donc ça va être un Jafar. Effectivement, Jafar x3, Smee x3, Benja, oui. Des Friends x3, Smash, 3 Smash quand même. 4 Jafar, 3 Merlin. Ah, et du coup, tu baisses un petit peu ton nombre de Merlin pour essayer de foutre de la place sur Jafar en fait, parce que c'est compliqué. 3 Châteaux, 4 Whole New World, bah, forcément ça joue Jafar. 4 Beasts, 3 Gravure Sword, 4 Robin, 3 Tinkerbell, 2 Yzma et 4 Jafar. C'est pas spécialement genre de deck que j'aime bien, mais. Pareil, ça m'intéressera de tester. Et enfin, et voilà, celui-ci, du coup, est-ce que Mufasa Roulette est mort? Bah en tout cas, c'est un jeu qui joue pas Mufasa, donc on va dire que dans l'idée, on n'en voit plus beaucoup. Mais il reviendra peut-être un jour, on ne sait pas. En tout cas, 4 Mulan, 4 Flynn Rider, oui. Ah oui, c'est vrai que c'est intéressant les Flynn Rider avec les, bah, notamment les Mergotel, parce qu'elles sont un peu surstatées. Donc ça peut être cool. Pegasus, ok. Burning Cities, Agrabah, waouh. 4 Brawl, bon en rouge on aime bien jouer du Brawl. 4 Pongo, 4 Sissou, 2 King, 3 Goofy, Hades, Moana. Alors 3-4 pour 4 évasives, ok très bien, il va chercher les Diablos. Il est 3-4, il évite de se prendre des Brawls. Contrairement à. Je pense que c'est pour ça. Hein. À la base il y avait Pongo qui faisait un petit peu le taf de deuxième mini, on va dire. La mini 1-3 insaisissable. Et là, effectivement, avoir 3, ça paraît être plutôt pas mal pour essayer de résister. Bon, c'est vrai que c'est particulier. Réponse, ok. 2 cartes de défausse. Ouais, donc pour les. J'imagine, pardon, aller chercher les decks contrôle. 4 Maui le boss. 3 Tremaine, 3 Médusa, ok. 2 Bipreperd, 2 Stitch et un Tchernabog, parce que pourquoi pas.
plein de decks que j'ai envie de tester en tout cas. Est-ce qu'on peut facilement sur ce site les récupérer sur Pixelborn ou pas? Je crois. Hein. Alors attendez. Oui! Oh, on va se faire un petit. On va s'amuser. On va s'amuser, je vous le dis, j'ai envie de tester plein de choses là. Je reviens un petit peu dans le blabla temporel pour voir ce que vous avez dit de beau. Ça, je l'avais vu. Ça, on avait un peu répondu. Qui a gagné finalement? Bah, je crois que c'est pas encore fini. Hein. C'est juste que ça, c'est les 64 meilleurs joueurs du jour 1. J'ai modifié ton deck du chapitre 4, j'ai fini deuxième. Grave kiffant. Ah bah nice, bien joué Christian. 7-5, on sort un counter à Bucky. Ouais. Bah, je vous dis, hein, une carte qui dit mettez une blessure à chaque personnage. Tu la rends pas trop cher. Et bah, le pauvre Bucky, il se fait rip. Le but du ver jaune, c'est de renvoyer des monstres sous la pioche. Ok. Criquet, c'est vraiment une bonne carte. C'est quoi ton avis, mon prof? Moi, j'ai toujours trouvé que c'était une bonne carte. Le criquet, là. Le problème. Ah, vous voulez pas. Le problème, c'est que. Il n'est pas alter, ce con. Et après, en même temps, des criquets alter. Mais sinon, c'est fort. Enfin, je sais qu'une des faiblesses du vert, c'est d'avoir des. C'est pas très fort en puissance, quoi, en force. Le fait de mettre plus 3, c'est cool. 3 de l'or. Il s'ancre, non, il est bien, il est bien. Juste voilà. Quand tu joues notamment Bucky, bah tu peux pas trop te permettre de jouer. Déjà, t'as déjà quand même pas mal de trucs à 5. C'est vrai que pour l'instant j'étais resté pas mal sur Bucky. En fait, là je vous avoue, je vais très probablement, c'est pas encore fait, faire le tournoi donc le 23 juin à Palaiseau. Faut que je suis en train de négocier ça. Ballroom. Je sais pas si vous avez. Oui, vous avez, j'en ai parlé pendant longtemps la dernière fois. C'était mon dernier live d'ailleurs. Ballroom, pas Ballroom. Ballroom, mon choix a été la prudence, c'est-à-dire je m'inscris pas. Donc je rappelle que Ballroom, c'est donc le gros tournoi, le plus prochain gros tournoi européen de l'Orcana. Que ça se passe donc en Allemagne les 6 et 7 juillet. Et que pendant ce week-end, je suis censé avoir une OP avec Wizard of the Coast, donc l'éditeur de Magic, pour Assassin's Creed. La collab Magic versus Assassin's Creed, ce qui évidemment m'enchante totalement. Et donc, mon cachet a été accepté, mais on n'a pas encore la date. Et donc, il y avait un peu tout ce côté. Est-ce que je prends quand même un jour ou est-ce que j'attends? J'ai attendu. On verra bien. Il paraît que les places pour Borum étaient quand même plus simples à récupérer que pour Lille à l'époque. Voilà, je ne désespère pas sur le fait que dès que j'aurai mon jour, je pourrais dire éventuellement, je prends un jour. Sachant que si jamais c'est le dimanche, bah là, je suis rip parce que je vais pas aller à Borum en sachant que je peux pas faire jour de quoi. Même si, ouais, si je vais là-bas, c'est pour essayer de, en tout cas, viser ça. Bref, ok. Mufasa Roulette est mort, ouais. Ouais, pauvre Victoire qui avait réussi à faire top 128 avec son Mufasa Roulette et qui maintenant est dans les abysses. Mufasa Roulette est un excellent deck là. Ah bon? En tout cas, pour l'instant, les résultats n'ont pas l'air d'être trop. Mais pourquoi pas, hein. J'ai l'impression que c'est un peu mou. J'ai toujours trouvé ça mou. La carte, quand je l'avais vue au tout début, j'étais en mode, ah ouais, une 3-3 pour 5 qui l'aura à 2. C'est un peu fatigué. Mais en fait, la méta va être de plus en plus agressive. Enfin, généralement, plus un. Ça se voit à Magic, ça se voit, j'imagine, à d'autres jeux. Mais plus tu as d'éditions dans un jeu, et plus. Bah, tu vas récupérer dans chaque édition des cartes qui sont intrinsèquement très fortes. Et plus bah, les aggros vont être très aggros, les contrôles vont être très contrôles. Ce qui fait que les jeux qui sont un peu mous, souvent c'est un petit peu mal. Et Mufasa, on va pas se mentir, c'est quand même un jeu un peu mou. Hein. Déjà, il y en avait beaucoup qui faisaient rien dans le tour 2. Et derrière, bah, tu mettais tes petites bêtes. Et puis bon, alors après, tu peux quand même t'accélérer en encre, mais bref. Tu participes au Mulligan Challenge 7? Non. C'est quand cette histoire-là? Parce que la dernière fois j'avais pas pu participer, et je croyais je pensais que du coup les tournois sur Pixelborn étaient enfin arrêtés puisque on sait pas. Parce qu'il y a marqué sur l'annonce de Pavel au niveau de Pixelborn que ça s'arrêtera avant le 16. Donc ça se trouve, je vais lancer une partie, Pixelborn va s'arrêter en direct. Ce serait beau. C'est quoi le tournoi de Palaiseau? J'ai pas entendu parler. Il y a un tournoi donc à Palaiseau le 23 juin, en parallèle d'autres tournois de Magic.
et j'irai probablement. Salut Tigri. Salut Dinoraptor. Bonsoir maître tuteur. Avec plaisir. Il y a des gens qui vont à Castres. Oula, Castres, c'est un petit peu loin pour moi. Bon, mes petits amis, je propose de tester ces decks-là. Parce qu'en fait, je me suis fait. Alors, bon, vous savez quoi? Comme je l'ai fait, je vais. Attends, tu viens au tournoi de jeux de société demain. C'est à quelle heure? Quelle journée demain? Lundi, mais non, mais lundi, de toute façon, j'ai friendzone. Bon, je vous fais un petit peu de pub quand même pour ce tournoi-là. Je vous fais un petit peu de pub pour nos jeux de société. Donc du BO2 qui commence à 19h30. Voilà, si jamais ça vous intéresse, il reste des places. Vous avez le lien. De toute façon, il vous l'a mis Simba dans la description. Dans la description, dans. Je vais pas le mettre dans la description, moi, parce que de toute façon, le temps que la vidéo sera en ligne, bon. Voilà, plusieurs canards TCG. Voilà, vous tapez juste ça dans la barre de recherche et puis c'est bon. Vous tombez dessus. Bref, tout Pavel. Ah, j'aime bien le nom. Pour Pavel. Allez, donne tout champion. Bref, donc non, je peux pas. Demain, je fais friendzone. J'ai pas un truc demain soir en plus. Non, je fais friendzone. J'ai quoi demain soir, moi? Il semblait que j'avais un truc. Demain soir. Bon, non, j'ai rien noté, je suis con. C'est vrai que j'avais un truc demain soir. Bon, si j'ai pas de truc, je serai là. Si j'ai un truc, je ne serai pas là. Tip-tip, le chouette gars, bonsoir. Trop de dissolution ces derniers jours. Ouais, effectivement. Boulogne, il y a un truc à Boulogne? À mon avis, tournoi boutique, ça parlait de la fin de Pixelborn et certains parlaient de l'alternative de Pixelburn. Oh, c'est beau! Oh, c'est beau! T'as entendu parler de Pixelburn avec un certain Pookie? Je rappelle, Pookie, je l'ai toujours sur mon bureau, attendez. Bientôt ça arrive. Hein. C'est pas des rumeurs. Hein. Si vous entendez ça en boutique, faites propager vous aussi. Oui, j'ai entendu et tout. Bon, c'est pas très beau. C'est pas très beau, mais ça fait quand même à peu près la même chose. Aïe aïe aïe. Non, je sais pas. Est-ce que vous avez essayé. Salut. Baasson. 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 J'aimerais que tu me dises comment prononcer ton pseudo. Parce que j'ai vu que tu étais un streamer émérite. Et en plus, tu passes là un petit moment. J'aimerais, une bonne fois pour toutes, savoir comment on prononce ton pseudo. Seb, oh non, une fois n'est pas coutume, je vous laisse avant la fin. Bon live la commu et merci encore off, bonne soirée à tous. Baazon, à la française. Ok, merci beaucoup. Arrêtez de lui parler qu'il joue enfin. Bon, petit quiz, 2 secondes, on a 2 minutes. Hein, on n'est pas des bêtes, comme on dit. Salut Netero. Je dis bonjour à ceux qui arrivent. À ce même tournoi, j'ai pris dans une partie 2 Buckin, tout 3 Diablo, j'ai passé un super moment. Ouais, désolé. Désolé pour ceux qui le prennent facial. Maître tuteur n'a pas l'air de te plaire, pourtant il y a le mot maître. Non, non, c'est juste j'essaie de voir pourquoi maître tuteur. Parce qu'au début, je pensais que c'était tueur. En mode, bah non, ça va. Tuteur, ce serait. J'ai pas trop compris. Mais c'était, voilà, c'est plus un. Une tête de dubitatif que de je ne suis pas content. Je suis rarement pas content, moi. Bon, bref. J'ai eu 0 Bucky dans mes ouvertures. Aïe. Bon, après, ça se récupère facilement pour le coup, les Bucky. Hein. Salut, Flo. On va plus jouer que parler aujourd'hui dans 11 minutes, ce sera faux. Eh bah, ben, je vais vous me faire mentir tout de suite. Allez, voilà. T'as gagné Petit Quick et t'as gagné Maestelia. On va lancer Pixelborn. Et donc, je m'étais fait rapidement. Ah non, bah non, et non. Aïe, 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 et non. On va pas jouer tout de suite parce que du coup justement on va aller voir rapidement, mais vraiment rapidement la méta. En tout cas la méta selon le site. Du coup je m'étais foutu où? Hop, il est là. Rapide, rapide, rapide. Je vous fais ça rapide. Hop. Donc vous allez sur lorcana.gg. Voilà, c'est ce site-là. Vous allez sur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus où c'est. Tier list. Voilà. Et vous tombez donc sur cette tier list où effectivement. On va voir en premier bleu-rouge, en second vert-gris, en troisième quand même ce petit violet-rouge qui reste mine de rien un deck solide quoi. En tier 2, on va avoir du bleu-gris, gris-jaune, donc avec Steel Song également. Pareil pour violet-vert. Ils ont quand même mis Red Mufasa dans le tier 2.
Petit doute. Après, je rappelle que c'était il y a 3 jours, donc il n'y avait pas eu. Puis bon, il y a 3 jours, ils l'ont posté. Donc, ah oui, non, c'est vrai que c'est très naze, par contre. C'est quand tu cliques dessus, ça scrolle. Bref. Et en tier 3, on a un deck discard, donc jaune-vert, que j'aimerais bien tester. Ruby Songs, jaune-rouge. Et enfin, le Magic Broom. Oh, les balais magiques. En tier 3, fin de tier 3, hein, je pense. Le Relic Tour 22-23 ans, c'est Eugir, pas Palaiseau. Oui, mais Palaiseau, les arpenteurs de Palaiseau, font un tournoi le 22-23 juin à Palaiseau. Avant, le Relic Tour était en même temps, on va dire. Et là, ils ont split. Je vous en reparlerai dès que j'ai plus d'infos, en fait, parce que je suis en train de voir pour y aller. Tu veux pas changer dans live en 22h, 2h? Blabla de 22h à minuit et leur canette de minuit à 2h. J'ai hésité à un moment donné à passer en 21 minuit. Et je me suis dit, attends, je vais bosser 1 heure de plus par jour. Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, je vois notamment. Bah, par exemple, aujourd'hui, on est resté après pour parler, après l'émission avec Dina et Marie et Grand Jeu. On s'est marré. On s'est marré. J'essaie de leur expliquer que j'étais au-dessus des mecs qu'elles pouvaient fréquenter. C'est véridique. On s'est vraiment marré. On s'est vraiment bien marré. C'était vraiment très cool. Et du coup, je suis arrivé en fait juste là. Et pour ça que j'ai lancé un petit peu. Voilà. Donc, ça. Mais en même temps, normalement, le dimanche soir, je suis censé être chez Max pour faire du TCG. Là, c'est exceptionnel. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le lundi, quand il y a Friendzone, normalement, ça me permet d'avoir le temps de rentrer pour lancer 22 minutes. Et moi, ce que je veux, c'est des horaires fixes chaque jour, enfin chaque jour où je peux, pour habituer quoi. Et en vrai, le 22 minutes, j'aime bien. Mais oui, faut que j'avance un peu plus. Il lâche pas le morceau, jamais, jamais. Non, c'est bien marré, c'est bien marré. Rof, le joueur de tier 2, alors sur quel équipe? Eh ben justement, sinon je pars sur un tier. T'étais au-dessus avec tes tampons. Eh, hey, on est d'accord que c'est eux qui étaient mauvais avec les tampons, c'est pas moi. Bon, bref, pour ceux qui n'ont pas la ref, évidemment, faut regarder le dernier jour du dimanche. Qui était vraiment très sympathique. Donc ouais, j'ai tenté donc un tier 3. Regardez, alors je vous montre rapidement, 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 rapidement. Si jamais. Qu'est-ce qui se passe? Attends, pourquoi bon, d'accord. C'est ça que je voulais voir. Donc, je vous lis pas le blabla. Je vais juste rapidement aller sur les decks. Il est toujours un peu relou à charger celui-là. Donc, le bleu-rouge. Le bleu rouge évidemment qui est très fort. Alors dans cette version-là, il joue deux petits sous, deux petites 6 sous, 3 comme ça et 2 bipreperd. De Lucky Dive, 3 Ice Block. Les versions, notamment celle de Raclem, jouait tout en x4, même les dimes. Mais bon, en vrai, il a plutôt mis les deux Eureka à la place des dimes. En tout cas, on est vraiment sur des versions qui sont relativement similaires. On veut faire le. Je vole très vite, on veut s'accélérer et après faire des bêtises. Ça, de toute façon, c'est le cas depuis maintenant un petit moment. Le petit Bucky, bien sûr, qui est une version que je trouve très très propre, avec donc des Pégases, avec notamment deux Grabure Sword, ce qui est pas mal. En fait, j'ai l'impression, quand j'ai vu la version, là, j'étais en mode ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, ça oui, même si je préfère 4 en vrai, c'est pas déconnant de faire un peu de place parce que contre certains decks, c'est nul, enfin, c'est moins bien. 4 Diablo, 3 Jaffar, je peux comprendre. 4 Pégase, 4 Robin, 4 Beast. 3 Tinkerbell, pourquoi pas, effectivement. Parce que, en fait, je trouve que c'est difficile de mettre des Grabure Sword sans Tinkerbell. Parce que contre certains decks, ça peut vraiment pas être utile du coup. C'est bien de faire 2 plus 1, notamment contre Violet Rouge. 4 ça, 4 ça, oui. 3 Bruno et 2 Creek. Rappelle mon petit jeu Buckreak. J'en avais testé 4, c'était peut-être un petit peu too much. Mais en tout cas, c'était cool. Bon, en premier deck, j'ai adapté le set Madrigal avec des cartes plus sympas. Ça sent le fait, mais il faut bien commencer quelque part. Ça sent le fail, oui. Oui, mais c'est pas grave, ça te permet de tester. Ah, c'était Eclipse Q? Non. Il y a marqué Q? Oh! Oh! J'avais pas vu! J'avais pas vu! La star! La star! Aïe, 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 aïe! J'avais pas vu! Bah, GG, mec. Ah oui, non, d'accord. Et oui, c'est vrai qu'il a. Alors. Oui, parce que c'est. Attends. Oui, c'est toi qui as gagné le. Bah oui, c'est marqué. Alors qu'on a des 4. Oh là 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 là. Cocorico. Et bien joué à Q.
Est-ce que tu as changé des trucs de ta liste depuis du coup? Enfin, si tu devais là la rejouer demain, est-ce qu'il y a quelques petits trucs que tu ferais? Genre, j'ai l'impression que mettre des ice blocks en plus, c'est pas con. Genre, 4 ice blocks, ça me paraissait pas bête. Je crois que j'aime bien le fait qu'il reste quand même quelques bi-prepared pour pas que les gars tournent trop autour de 6 sous. Et tu peux vraiment du coup les avoir là-dessus. Et qu'est-ce que j'aime bien dans cette version? Et est-ce que les 6 sous à 3 sont cool? Je sais pas trop. Bah, j'imagine que aussi tu peux du coup surprendre. Mais pour avoir testé un petit peu les 6 sous à 3 dans ce deck-là, il faudrait peut-être un petit peu légère. Je te laisse nous répondre tranquillement. Bref, ce deck Bucky a l'air vraiment très cool. Celui qui a fait premier à The Pack. Ensuite, on a donc le. Alors, pareil, celui qui a fait second à The Pack. Donc, celui-ci, si jamais vous me suivez depuis un moment, enfin, si vous me suivez, vous avez pu voir que bah, j'ai joué dernièrement, notamment en râlant auprès des Dolores. Mais ça reste effectivement un bon pack avec les Fin Riders pour notamment casser les decks bleu-rouge. Voilà. Papy, ouais. Hello, hello, ça parle leur canadais. Faut que je revienne pour le 5 et essayer de regagner ma couronne. Bah ouais, on t'a pas vu la dernière fois. On a du coup un gris violet, un gris bleu avec des Audrey Ramirez. Alors ça, par contre, j'avoue que même moi, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle est 2-5 pour 5 ward. Et quand ce personnage quest, tu vas pouvoir redresser un de tes items. Donc elle a vraiment les stats de Big Ben. C'est vrai, elle a vraiment les mêmes stats que Big Ben. Sauf que Big Ben filait résistance plus 1 à tous les bestiaux. Et elle dit que quand elle quest, tu vas ready one of your items. Mais tu veux ready quoi? Quel intérêt? Ah, le Kidaim? Ah, et Quill éventuellement? Ouais, ok, d'accord. Pas ce que vous en pensez, ça me paraît. Bon, ok. Ah, il met quand même les Big Ben. 4 Ariel, carrément. Tamatoa, nanana, 4 Fortisphère, bien sûr, Delighted Go, il en faut. 4 Lucky Dime. Eh bah, ouais. Donc quoi? Alors, que j'ai pas joué depuis vraiment, mais bon, il y a des variables dans le deck. Nombre d'ice block entre 2-4, bi-prep entre 0-3. La 6 sous à 3 permet de tenir contre Château et Flynn. Ouais, c'est pas con. Assez obligatoire contre violet-rouge. Nickel. Ok, ça roule. Bon. Ensuite, l'Orcadie des 5, je crois que ce sera en octobre. Hein. C'est pas tout de suite. Hein. Donc, l'Orcadie des 4 également. On va avoir le deck Stillsong. Avec notamment les nouvelles Ursula. La Ariel. Qui peut être un peu relou, moi je l'ai prise, quand tu te la prends c'est un peu chiant. Ah lui il joue deux, bah oui, donc lui il doit pas jouer les items. Et forcément il peut se permettre de tous les casser en chanson, il n'y a pas de problème. Ok, le violet vert qui est aussi un deck qu'il faut que je teste un petit peu, avec notamment un Lyle qui n'est pas une mauvaise carte. Tinkerbell qui va aller chercher les Diablos. Et Ursula, faut voir, ok. Le un deck rouge-jaune, bah, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah non, là il y a les Mufasa. Avec des Madrigals pour soigner, en plus des réponses bien sûr. Faut que je vois ce qu'il vaut. Des 6 sous, des Brawls. Ouais, faut voir ce qu'il vaut aussi. Le problème de ce site-là, c'est qu'on ne peut pas importer facilement sur Pixelborn. Donc voilà, moi ce truc-là un peu bizarre là, une sorte de jaune. Il a l'air dégueulasse, là, je ne vous le cache pas. Il y a des Pride Lands. Bon. Il a l'air dégueulasse. Je vais le tester. Et on va vite passer à autre chose. Ouais. 56 €. Voilà. Qui dit que l'Orcan était un pay to win. Et enfin, Mulan Song. Alors, qu'est-ce qu'il fait de plus que le. Ah, il joue Mulan. Non, mais. On est où, là? Ghost de distance, c'est quoi, ça? Bon, ça, je pense que c'est un deck un peu troll. Alors, c'est pour deux. Tu vas dégager un personnage qui a pris des blessures, ouais, qui est blessé, donc bon, ça pour le coup, c'est vrai que t'en as pas mal. Il peut pas quest et tu brûles une carte, donc il va pouvoir réattaquer. Ok, bon. Ok, bon, bref. En tout cas, ça fait quand même une méta qui, même si elle est un peu plus polarisée que celle du 7-3, on verra, hein, peut-être que ça va le faire. Moi, ce que j'ai toujours trouvé un peu embêtant, c'est que. Ces deux decks-là sont très forts et sont très différents. Vraiment, il y en a un qui joue des objets, contrôle, l'autre c'est plutôt aggro, mid-range.
des fosses. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pas simple de tourner autour. D'autant plus qu'il y a quand même un deck un peu midrange ici qui marche pas trop mal. Bon, on va voir. Bon, alors je vais faire quelques, du coup, je vais tenter quelques bêtises avec. Avec donc, le deck des fosses jaune et vert. Je ne sais pas si je vais arriver, si je vais arriver quelque part. Donc c'est celui-ci. Donc celui que vous avez, que je vous ai montré. Et on va pouvoir faire quelques games. Vous voyez, 23h01, ça va. En plus, je suis arrivé plus tard là. Ça va, ça va. Ça va. Juste attends, c'est vrai que Maestelia avait piffé les 11 minutes. Bon, ça va. Non mais en plus, j'ai pas commencé à 22h pile et je vous entendrai un petit peu plus ce soir. Bah, on va jouer. Bon, alors, Yougofer, je joue contre violet rouge. J'ai un tour 1. J'ai un tour 2. Violet rouge, est-ce que je vais vouloir Ursula violet rouge? Non, peut-être pas tout de suite. Mais je peux faire un porcine. Je peux faire une sortie un peu aggro avec un kit. Peut-être virer sonner la cloche, ça me semble pas ouf là. Garder quand même Ursula. Bon, je teste un truc comme ça. On va faire un tour 4. Tu m'as oublié. Peut-être que j'aurais dû mulliganer agressivement dans un. Comment s'appelle-t-il? Vous l'avez, Prince Jean. Je vais dégager Flynn. Pour l'instant, j'ai que lui. On va me tirer une maudite tour 1. Ça me semble pas plutôt pas mal. Le deck a du mal à gérer quand c'est un peu trop aggro. Est-ce qu'il y a une version pixel ADL? La mienne fonctionne plus depuis ce matin. Non, je sais pas. Bon, Ursula peut aller chercher quoi dans violet et rouge? Ça peut aller chercher mes amis de l'au-delà et ça peut aller chercher des soyez, quelques soyez prêtes. Mais en vrai, je crois que là, on va plutôt faire une sortie agressive. Agressif, pardon. Je vais dégager Ursula. On va voir ce que ça vaut une sortie très agressive contre lui. Ce qui est bien, donc là, il a pas eu de tour 1. Du coup, il va mettre quoi tour 2? Il va peut-être mettre un Flynn Rider tour 2 que je vais peut-être bouncer. On va voir. Bah, enfin, sûrement. Et après, est-ce que je joue plutôt Ursula qui. Alors, je rappelle. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un adversaire. Il révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Donc, c'est cool. Ça permet vraiment de me défausser. Ou un truc qui fait défausser deux flats. Ouais, parfait. Le Flynn tour 2 qui va se faire gérer par. Ah, sauf que j'ai plus beaucoup de. Bon, faut vraiment que je pioche une carte en ancrable, je veux dire. Bon, je lui fais une sortie champagne. Déjà à 7 de l'or au tour 3, on est plutôt bien. Là, il faudra juste que j'ai un petit une petite carte en crabe pour mettre Ursula. Le Flynn Rider là, il est pas dingue. Salut Darkos. Oui. Ça me va. On va dégager Cruelle Diablesse. On va mettre cette Ursula. Et on va aller à l'aventure avec tout, hein. Il va me prendre sûrement un porcinet, mais bon, là, je suis aggro. Soyons agressifs, je suis déjà à 13. Hein. C'est très fort. Hein. 13 au tour 4, c'est pas mal du tout. Hein. Bah, je pense que c'est une des meilleures sorties aggro qu'on puisse faire. Il y a des fois, soyez prêts parce que, effectivement, c'est pas pour tout de suite. Et j'imagine qu'il va quand même jouer Mime. Ouais, il joue Mime pour taper Porcinet. Ah, par contre, il est un peu bête. Oui. Ouais, il a mal joué. Il aurait dû évidemment. Taper, enfin bref, éviter que Mime se prenne des points quoi. Bah on va mieux être en Cusco, hein. Parce que de toute façon avec quoi. Aïe, ah, enfin en fait. Ah non, il a l'air d'attente. Putain, mince, Cusco il va se prendre bagarre. Il a l'air d'attente, tout va bien. On va commencer par ça. Donc chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un adversaire, révèle sa main. Ok, vas-y, t'as quoi dans ta main? Ouais, d'accord. Et ben. En vrai. Mes amis de là, je crois. Je crois que mes amis d'au-delà, c'est. Il peut chanter, ça peut être relou. Roi incontesté, je m'en fiche un peu. J'ai un. Ah non, quoi, Kit va pas partir à l'aventure. Non, mais ça me va, ça me va. Il va tuer. Ben non, il va tuer Ursula. Ah, j'aurais. Oh, en fait, non, je suis con. Bon, je crois que j'ai mal joué. Je crois que j'aurais dû. Finir Madame Mime avec Kit. Comme ça, Ursula était peinard au prochain tour. Ça va, il fait bagarre. Bagarre, il va tuer ça. Moi, je suis à du coup 19. Il a plus rien en jeu. Presque il sauve là.
Après, j'ai commencé, j'ai eu une bonne sortie. Mais c'est vrai qu'en incontesté, ça paraissait mieux. Bah, du coup, Flynn Rider. En fait, je vais mettre la reine plutôt parce qu'elle se prend pas bagarre. Et là, je vois pas trop comment il revient. Qu'est-ce qui peut l'aider? Un Maui pourra gérer Cusco, mais pas la reine. Ouais, c'est mort. Ok, bon. On a une bonne sortie. Salut Rof, j'habite au Québec et grâce à toi, je joue à mon premier TCG. J'adore l'Orcana. Grave. Grâce, j'imagine, à tes vidéos. Un gros merci et lâche pas ton bon travail. Bah écoute, Yann, merci beaucoup pour le compliment. Heureux d'apprendre que j'ai du coup pu mettre des gens au TCG, qui est quand même le meilleur type de jeu, je pense, au monde, en tout cas en me concernant. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, c'est tout. Voilà, merci pour les compliments, c'est sympa. Ah oui, je compte pas lâcher de sitôt, sache-le. Alors là, ça va être, je fais moins les malins, je fais moins les malins puisque donc je joue contre bleu rouge et je commence pas. Alors, qu'est-ce que je vais vouloir faire là? Flynn tour 1. Je vais garder hypnotisé. Alors, je vais virer sonner la cloche, c'est sûr. Je vais virer la reine pour l'instant, j'ai rien. Je vais garder Prince Jean. Flynn Rider, j'ai l'impression que c'est pas trop le moment. Du coup, le truc à 1 me sert peut-être pas à grand chose. Allez, je prends quand même. Non, purée, j'étais avant les zéros là. Ah, j'aime pas quand ça fait ça. C'est pas grave, ma main est pas horrible. Rof, t'as testé un peu Rise TCG, t'en as pensé quoi? J'ai pas eu tout testé. J'avais dit à Max, ce serait bien de trouver le contact du mec qui le crée pour qu'il puisse nous en envoyer et qu'on puisse faire une émission. Mais je sais pas trop où ça en est. Mais j'aimerais bien tester. Ouais, l'idéal serait qu'on reçoive l'auteur et qu'on parle un peu du jeu parce que je sais qu'il. À chaque fois qu'il valait pelle, on faisait pas mal. Alors, bah ouais, on va partir sur Ursula, on va dégager la reine. On va voir un peu sa paluche. Ouais, j'ai hésité à mettre plutôt le ouais. Donc là, il y a quoi? Flaversham sous fétiche, 6 sous bagarre, gym. Ok, et du coup, je joue des gym. Bon, ça marche. Ouais, j'ai hésité à jouer la Terre des Lions. J'aurais peut-être dû, parce que je sais qu'en plus, contre lui, c'est pas mal. Après, il serait peut-être allé les chercher facilement. Attardez Lyon pour le coup avec sa grosse 6 sous. Qu'est-ce qu'on va faire de beau? Alors, je peux faire hypnotiser Flat. Non, mais on va faire Prince Jean, ça me paraît bien. On va dégager Flynn. On va essayer de le vider de ses ressources. Il a pas eu de rampe. Ah, il avait un Flaversham au tour d'après, c'est un peu relou ça. Je reste en défense, je pense. Ça sert à rien que je lui offre un truc sur 6 sous. Ouais. Salut à Loulieri. Pour Rise, vous pouvez le contacter directement via le Discord officiel, il est très accessible. Bah parfait. Est-ce que tu sais où il habite? Enfin, est-ce que tu connais son adresse exacte? Non, est-ce que tu sais à peu près dans quel coin est-ce qu'il est dans l'Île-de-France ou pas? Ah bah tiens, François von Aurélie, oui, un gars de Mulhouse qui a tout fait sur le jeu. Les cartes sont sublimes, les mécaniques de jeu sont sympas. Bah écoute, on va regarder ça. Mulhouse, Mulhouse du coup, c'est pas à côté. Bon, Prince Jean, ça paraît cool. Pas Prince Jean, ça paraît cool. Le problème, c'est qu'il va sacrifier des saf. Je crois qu'il faut le faire. Hein. On va dégager, je crois. Ah, j'hésite entre les deux. Mais je crois que je vais prendre une 6 sous bientôt, donc je vais dégager Daisy. On va dégager Daisy. On va piocher deux cartes et on va en défausser deux. J'avais pensé à Jim pour RLS Legacy ou Manoir de Picsou gratuit. Tu penses qu'il n'y a pas la place dans le deck? Ouais, c'est compliqué, je pense. Dans bleu-rouge, t'as déjà un peu tout ce qu'il te faut. Et en fait, ça a été le Jim, RLS Legacy et Château de la Reine ont été très joués au début dans violet-rouge. Mais au début de cette 3, je veux dire. Mais ah, bien ça. Moi, je me chie dessus là. Hein. On va juste faire attention au tour où il peut faire 6 sous la 6 sous à 6. Je sais pas si j'ai moyen de la gérer ce truc là.
J'ai retiré mon petit sonnet d'alerte, là, non, la petite cloche, pour pouvoir gérer sa 6 sous à 3. Peut-être que je vais regretter. Donc ouais, je pense que... Alors, on va voir, est-ce qu'il a récupéré un... Oh, il a même pas récupéré. Et tu vois, en fait, quand tu... le problème, c'est que les cartes-là, si tu n'as pas de... Il faut un minimum de lieux. Et si t'as pas de lieu, t'as une 4-4 qui l'aura 2, quoi. C'est pas dingue, hein. Qu'est-ce que ça fait, ça? Chaque adversaire peut choisir et défausser une carte. Pour chaque adversaire qui ne le fait pas, vous gagnez 2 éclats de l'or. Nul à chier. En plus, c'est pas en crabe. Oh là là, quelle horreur. Bon, alors là, le problème que je vais avoir, c'est que... Faut que je bounce Flavorsham. Et éventuellement, je mets un petit Terre des Lions. C'est pas fou, mais... C'est pas fou. Oh, il y a pas grand-chose qui va là dans cette game. Est-ce que je bounce Flavorsham ou est-ce que je fais autre chose? L'autre play, c'est quoi? L'autre play, c'est de faire hypnotiser. Je lui fais défausser un truc, je pioche deux. Et éventuellement, je pioche... Ouais, mais en fait, je peux pas défausser 6 sous s'il a pas... Non, je pense qu'il faut bouncer Flavorsham, j'ai pas trop le choix. Bon, si je me prends 6 sous, je concède. Dégager ça, on va quand même mettre la Terre des Lions. Qu'au pire, il s'excitera sur ma Terre des Lions. Il faut qu'il attaque avec ses deux cartes. Nanana, je réfléchis, est-ce que je vais à l'aventure? Je vais aller à l'aventure, hein, parce que je suis pas sûr de les garder pendant le tour d'après. Et comme ils servent pas à grand chose. Ah, il y avait éventuellement le Flynn. En fait, le truc, c'est que je peux pas chanter, donc... Signer le parchemin, ça me semble bien nul, hein. Bonsoir. Hier j'ai fait la paix Magic. Ouais bah ouais. Allez. Hier j'ai fait la paix de Magic Modern Horizon 3, ma première de ma vie. Merci pour ta vidéo et sur tes conseils, ça m'a permis de savoir quoi faire pour construire le deck et de m'en sortir. Merci beaucoup. Et bah GG à toi. Moi j'ai un peu j'ai fait de la merde hier. J'étais pas très j'étais un peu fatigué. Je suis arrivé un peu juste. J'ai construit mon deck un petit peu à l'arrache. J'avais pas la bonne mana base. Donc je perds un petit peu la 1 pour ça. La 2, je la gagne, je crois. Et la 3, enfin, troisième ronde, je la perds. Alors, à chaque fois, à pas grand-chose en me disant, ouais, je sais pas, j'ai peut-être fait quelques misplays. Mais, en tout cas, c'était cool. Il y avait notamment Axilan qui a réussi à faire une bonne perf. Et voilà. Bon, alors, excusez-moi, mais j'ai du mal avec. En fait, ça me va de jouer ça. Mais juste, bon, sonner la cloche. Je crois que c'est la liste. La liste me plaît pas trop en fait. La liste a l'air un peu dégueu. Sing the Scroll, j'aime pas du tout. Les Ursula, c'est peut-être un peu mou. Il faut quoi pour jouer? Il faut défausser une carte chanson. Ouais. Et en fait, il n'y a pas cette chanson. Et il a pas mis. Et en plus, il a pas mis. Bon. Donc je pense que cette carte. Dès que Lissa va vite se faire écraser par. On va tester du coup la liste qui a fait jour 2 à Chicago. Qui m'a l'air déjà un peu plus. Bah, enfin, en tout cas, déjà, j'ai envie de tester les muses, j'ai envie de tester Under the Sea. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Je sais pas trop pourquoi il n'y a pas Ursula à 3, mais bon, il va y avoir une raison. Quoi qu'il en soit, je vais la récupérer pour Pixelborn. Et on va voir ce que ça donne. As-tu jeté un coup d'œil au decklist du top 64 de Chicago à l'issue des rondes? Bon bah là, je peux pas te prouver mieux que oui, puisque je viens de le faire. Non, Rokan. Pour l'Orcana, si je veux faire un deck compétitif, Opti, on est d'accord que violet-rouge, c'est pas mal. J'ai vu, c'est moins de 150 balles. Oui, c'est pas mal. Il joue... Oh, il y a 61 cartes dans mon deck! Non! Oui, violet-rouge, c'est pas mal, effectivement. Violet-rouge, c'est accessible, ça fonctionne pas trop mal. Et c'est plaisant à jouer. Alors, je go first, très bien. Bon, moi j'ai envie de me gagner agressivement. Les Ursula c'est sympathique, mais en fait c'est plutôt à la fin pour essayer de choper des. Ah quoi que non, ah ben non, parce que go first je peux choper un jeu vol. Allez, je garde une Ursula, mais en fait j'ai besoin d'un truc à 1 par contre. On va pas faire un Diablo, c'est pas mal. Si je peux avoir un autre Diablo. Oh, une Kida, on verra. On verra, je pense que ça va être. On va faire Diablo. Diablo, comme ça me permet d'être sûr de. Attends, est-ce que du coup je dégage ça ou pas? Oui, vas-y, je dégage ça parce qu'en plus c'est ça que je. Ou alors je dégage Bruno.
Peut-être dégager un Bruno, garder une Kida au cas où il y en a une qui arrive. Enfin, une à 3. Alors, est-ce qu'il a... Oh, il y a deux jeux vol, le coquin. Il a deux jeux vol. Bon, c'est pas grave. Il a deux jeux vol, une Soyez prête, un Finn Rider. Il joue Finn Rider? Ok. Si tu veux. Sur le miroir, je sais pas. Bah alors, je croyais que tu jouais jamais plus que 64 dans ton deck. Ouais, mais c'est pas mon deck, donc ça va. Puis le mec, il a fait jour de la Chicago, c'est pas mal. Bon, on va quand même lui en défausser une, hein. Je pense que ça mange pas de pain. Je réfléchis, attends. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est Finn Rider qui... Non, c'est peut-être Finn Rider en mode aggro. Oui, je pense que j'ai plutôt opté sur une stratégie aggro. Comme je sais qu'il a... S'il avait qu'un jeu vol, je l'aurais fait. Il en a deux, donc de toute façon, il va forcément en faire un. Vas-y, go, on passe en mode aggro. Et en plus, les défausses, du coup, pourront être mises après avec, avec Prince Jean pour piocher. Question hors sujet, c'est quoi la marque de ton casque? Parce que je trouve le son très bien, j'en cherche un. C'est pas mon casque, eh bien, c'est ma voix. Attends, je vais te répondre. Est-ce que je garde une Ursula du coup ou une Ariel? Là, je vais mettre un Prince Jean. Ursula. Ah, mais du coup, il a pas fait je vole. Ah ouais, j'avoue, en vrai, Flynn. Ah, en fait, il m'oblige. Bah non, mais je m'en fous qu'il prenne 3 de l'or, moi. Je crois que je m'en fous un peu qu'il prenne 3 de l'or. J'hésite entre Ariel ou. Ariel ou Prince Jean. Bon, je vais dégager une Ariel parce qu'elle est ancrable. Alors que Prince Jean ne l'est pas. Tant pis pour. Je vais essayer de voir si je. Est-ce que je. Si je disrespecte Flynn, ça fonctionne. Je vais garder mon Diablo, sinon il peut me le casser. On va voir. Le fait d'avoir Prince Jean rapidement permet que ce Flynn-là, s'il se fait attaquer, je fais un gros card advantage. Voilà, donc la guerre de mon casque, je vais quand même te répondre sérieusement. Il s'agit d'un casque Sennheiser. Pour le coup, c'est un peu pay to win. Ah, attends, les Diablos. Ah, mais j'ai pas de chanson. J'ai pas de chanson. Je peux piocher une carte avec Ursula pour essayer de piocher une chanson. Vous allez voir le talent. Vous allez voir le talent. Le talent du mec. Ursula. Défausse, je vole. Pioche, chanson. Mets Diablo. T'es pas loin. Bon, bah, pas Diablo alors. Du coup, on va dégager une. Ça, c'est sûr que je vais pas la jouer là. C'est trop risqué. Et puis avoir une 2-2 en jeu, ça va pas me servir à grand-chose. Oui. On va toujours y aller avec lui et le piaf, le piaf, le piaf, le piaf. Non, il reste là. Donc, ouais, et ça s'appelle un HMDC 27. C'est assez connu. C'est ce que Max m'avait conseillé au tout début quand j'ai voulu faire du stream il y a genre 6 ans, je crois. 5-6 ans. Oui, fais-moi piocher. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et donc c'est un peu over, pas overkill, je sais pas, mais en tout cas c'est un casque qui coûte. Attends, excuse-moi, je finis mon tour. Il a vraiment, je l'ai bloqué sur le jeu vol là. Oh bah du coup, attendez. Je sais qu'il a Soyez prête. Ça veut dire que si je lui fais défausser, si je lui mets ça, il va défausser Soyez prête. Est-ce que du coup c'est mieux d'attendre ou pas? Je crois que mettre un Diablo vite c'est bien. Et en même temps, je pioche déjà pas mal avec Prince Jean. Si je fais ça tout de suite, je vais piocher quand même. Et je vais avoir une 2-2. Faut quand même que je fasse gaffe à son truc. Vas-y, je vais essayer de la jouer. La jouer discard. Donc, ouais, c'est un peu cher. Le casque est à, je crois, 400 balles. Plus un câble, 100 balles. Plus il te faut une Focusrite, un truc comme ça. Si tu veux. Voilà. Qui coûte aussi plus de 100 balles, je crois. Donc, c'est un matos à. Ouais, plus de 600 balles. Mais c'est vrai que c'est propre. Bon, alors. Je peux toujours pas attaquer 6 sous. Bah là, un petit criquet, là, ça m'a fait plaisir. On va y aller avec les autres. Non. En fait, là, il fait la course. Donc, je crois que si j'y vais. Si j'y vais, ça me va. Ouais, je pense qu'il fait la course. J'aimerais bien une gestion. Son 6 sous est un peu chiant. Développe ton cerveau. Il a que 4 d'encre. C'est très très rare en bleu-rouge. Mais bon, je lui ai fait des fautes. Il a pas joué de. Enfin, c'est une sorte de bleu-rouge un peu aggro.
On va voir si c'est si c'est worse pour lui. J'ai l'impression qu'une fois que je leur ai géré 6 sous, il aura plus grand chose à faire quoi. Mais il faut encore que j'agère. Bon, oh bah très bien, il me laisse de quoi aller la chercher. Bon bah on va aller la chercher. On va aller la chercher. Il faut juste mettre un truc à 2 derrière pour éviter de. Alors attends, je réfléchis. Ça c'est pas une chance. Ah mais c'est une action. Oh c'est une action, ça marche du coup. Le tu m'as oublié fonctionne. Alors attendez, est-ce que. Alors attendez. Mettre un Diablo, ça paraît très bien. Tuer 6 sous, ça paraît excellent. Je crois que le play va être un peu bizarre. Mais. J'ai envie de le tenter. Donc le play que je voudrais tenter, c'est Diablo qui dégage ce truc-là. Diablo va juste me servir à être une 2. Enfin, je suis pas sérieux. Il va être une 2-2. Qui va me faire piocher pendant son tour et qui va éviter que Finrider se fasse. Tuer. Enfin, se fasse des dingueries. Je vais mettre tout dans 6 sous, même Prince Jean. Parce qu'actuellement, c'est mon problème. Ah, j'étais con. J'étais très con. Ok, j'étais très con trop tard. Mais en gros, 6 sous, j'aurais pu la baisser. Et. Je mets les muses ou je mets Prince Jean? On va mettre les. Je crois que je joue un peu à l'envers, hein, désolé. En fait, je fais. Ouais, ok, là. Je fais beaucoup de cartes d'avantage, donc je peux me permettre de jouer un peu à l'envers. Ah, il joue son manoir, donc ouais, c'est un jeu bleu-rouge à gros lieu, quoi. Il me file son Finrider en plus, il est sympa. Et moi, du coup, avec Criquet, en fait, je peux tuer son manoir de Picsou assez vite. Bah, je crois qu'on va faire ça. Non, attendez, ça fait combien? Ça fait 10, ouais. Ouais, je pense qu'il faut le faire maintenant. Je le fais, tant pis si je tue pas Flynn Rider. Au moins, ça me permet de me débarrasser du manoir et d'éviter qu'il fasse trop de dingueries. Je vais ancrer Kida. Tant pis pour son Flynn. On va piocher. Ah, je veux bien un peu de gestion là. Je vole, ça sert à rien. Enfin, faire attention, il est à 6. Ok. Il est à 6, ça veut dire qu'il peut au prochain tour éventuellement faire soyez prête. Faudra vraiment que j'ai pas de chance. Hein. Ouais, je vais déchaîner les enfers. Et je pense que je vais mettre. Je mets les deux Prince Jean. Et. Comme ça, s'il a pas soyez prête au prochain tour, je le tue. Je crois. Ouais. Il faut qu'il ait et une carte ancrable et soyez prête. Ah, 6 sous. Merde, 6 sous. Non, six... Ah non, ça va, ça bagarre. Mais non, mais 6 sous passait pas à 6, je suis bête. Non, ça passait pas à 6. Donc là, du coup, c'est bon, normalement, c'est gagné. 6. Ah non, il manque 1. Bah, il manque 1, si vous voulez que je vous dise. Et du coup, on va juste faire fin de tour. Hein. Je garde mes cartes. De toute façon, il peut pas tout me tuer. Je crois qu'il faut juste faire fin de tour. Ah, j'ai pas eu de chanson. Hein. Voilà. Ok. 3 pignons les roses en rouge, tour 2, je trouve ça étrange dans la liste. Oui, c'est chelou, oui. C'est chelou. Bon, écoutez, on joue, hein. La liste a fait un résultat à Chicago. On va respecter un minimum. Le but, c'est de jouer. Ouais, donc là, on est dans une phase où, comme j'ai rien avant le 23, et encore, c'est même pas sûr pour le 23, je vais pouvoir jouer plein de decks un peu bizarres. Et en vrai, c'est cool. Alors, you go first. Très bien. Bon, j'ai aussi go first tout à l'heure, ce qui m'a aidé. J'ai bien envie de tester un départ comme celui-là. Voilà, tour 2, tour 3. Et voilà. On espère trouver un tour 1. Bon là, Diablo, une petite chanson peut-être. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de chanson là-dedans. Kida dégage, Diablo, oui. On va essayer de voir, parce que je peux en piocher une chanson. Alors, il a réponse, Ariel. Oh la main pas ouf, hein.
Il a un Robin des Bois. Et sinon, bah, s'il pioche mal, c'est pas terrible. Ok. La liste est éliminée de Chicago. Ah, voilà. Tu perds du hard rank, please. En BO3, c'est mieux, ça permet de s'adapter. Je crois que j'ai un peu la flemme. Parce qu'en fait. Je réfléchis. En gros, j'aime bien tester plein de trucs et à un moment donné, ça va m'embêter. Enfin, ça va, je vais être en mode vas-y, je passe à autre chose. Et du coup, si je suis en plein BO3, ça va me saouler. Je crois que je préfère enchaîner du BO. Hein. Sans pixels, ça va être un poil plus compliqué pour tester, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, on va dégager ça. Ah bah du coup, je peux faire, mais je peux faire maintenant du coup. Parce qu'en fait, c'est pas une chanson, c'est une action qui demande. Ça, c'est cool. On va le faire. On va le faire. On va faire ceci. On sait qu'en plus, il a pas de quoi nous la gérer normalement en main. Donc on a un petit Diablo qui va faire le taf. Porciné, ok. Alors, Ursula, il avait pas de chanson tout à l'heure. On va mettre. On va dégager Bruno, on va mettre une Ariel pour voir ce qu'on a de beau. Ouais. Ça ressemble à une chanson. Est-ce que je la fais d'ailleurs? Je crois que je vais attendre d'avoir Prince Jean pour la faire. Le problème, c'est qu'il l'a vue. Il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Donc il va sûrement défausser son truc. Attends, il avait pas de chanson, j'ai pas vu ce qu'il avait ancré. Il a eu deux draws. Attends, j'ai peur que ça me serve à rien, vas-y, je fais pas. Au pire, je l'encrerai. D'après toi, est-ce possible de faire une update du deck de Max avec le chapitre 4, je pense me le faire pour tester un peu leur canard. Ah, le violet-jaune. Bah, en plus, violet-jaune, il a gagné le tournoi de. C'était Atlanta. En série 3, fin de série 3. Pourquoi violet-jaune n'est pas joué en ce moment? L'espèce de hyper aggro là. C'est pas con contre jaune. Contre rouge. Rouge-bleu. Le violet a pas gagné grand chose dans cette édition, malheureusement. Et le jaune. Ah non plus, je crois. Alors. Réfléchissons. Je crois que ça va être un prince, genre. Et on va chanter. J'ai peur que ça se la chante pour rien. Ouais, ça se la chante. Ouais, je m'en fiche. Allez, je la chante pour rien. Ah, j'avais pas vu qu'il avait mis Robin, mince. Ouais, bon, ok. Réponse, réponse, Ariel. En plus, il cache un petit peu ses chansons sous Ariel, c'est un peu relou. C'est pas grave, on va chanter du coup ça pour piocher. Avec lui. Et s'il veut venir me chercher Finrider, bah, grand bien lui fasse. Et je pense que du coup, je vais ancrer Ursula parce qu'elle va pas faire grand chose. Il a dégagé une Ariel, j'ai pioché une autre Cruelle Diablesse. Ah, est-ce que je refais une Cruelle Diablesse du coup? Parce que si jamais il me chope cette Ariel là, je m'en fous un peu en vrai. Vas-y go. Ça me fait du carte d'avantage puisque lui, moi je fais défausser une carte et moi je pioche. Prince Jean le boss. Pas besoin de Bucky pour faire défausser. Ok, donc il reste une réponse, une Ariel. Et là du coup je peux faire Peignons les roses en rouge qui ne sert à rien. Bon. Et ben on va dégager Ursula. Et on va dire fin de tour. Pas si j'ai bien fait dégager sur celui-là. En fait, là, le problème, c'est qu'il va avoir. Il a une pioche plus une Ariel pour essayer de choper soit Tuons la bête, ce qui m'embêterait beaucoup. Soit ce rêve bleu, ce qui m'embêterait un peu. Bon, ça va. Pas dans l'hiver, il va gérer mon Diablo. Mais au moins, il fait pas une razzia, quoi. Et en plus, c'est vrai que je pioche. Eh oui, c'est vrai quand vous faites Diablo. Ah, je peux faire une petite combo muse et peignons les roses en rouge. Ça va être sympa, ça.
Oui, ça marche. Ça marche, on va renvoyer Porcina. Donc Porcina va se prendre sûrement des dégâts. Ouais. Porcina va mourir. Par contre, on va renvoyer. Est-ce que je renvoie Ariel? Est-ce que je renvoie une Ariel dans la main? Je pense que oui, je pense qu'il faut le faire. Donc, Muse. Donc d'abord Muse. Puis, peignons les roses en rouge, chanté par. Alors pas Ariel, puisque Ariel va. Chanté par Prince Jean. Allez. On va cibler ça et cibler Porcinet. En fait, j'en renvoie un en main. Oui, ça. Oui, j'en renvoie pas deux. J'en renvoie qu'un. Donc, on va cibler Porcinet. Ça va bouncer Robin des Bois. C'est vraiment très bien. Et elle va aller taper Porcinet. Ariel, tant pis. Bah, elle va chanter ce qu'elle veut. Et Flynn, il va aller à l'aventure. Voilà. On va dégager une Ariel, je pense. Je crois Kida, alors qu'il est. On dégage une Kida. Ouais, j'ai plus Diablo pour piocher, ça fait bizarre. Rendez-moi mon Diablo là. Ouais, tuons la bête, ça me pendait au nez. Bon, en même temps, ça va, j'ai quand même fait. Il a eu entre guillemets un tour trop tard. J'ai pas pu gérer Ariel. Ouais, je pouvais pas gérer Ariel de toute façon. Il repose son Robin. Mais il fait que ça. Oh, Lucifer, joli ça. Oh, Lucifer, joli. Ouais, Lucifer, joli. Normalement, il n'y a pas de son en main. C'est risqué en fait contre moi de garder un son. Ah, il en défausse deux. Réponse et flûte, très bien. Très bien. Elle va rester tranquille. Et est-ce que je mets Ariel en encre? Non, je pense pas. Là, il est au top deck. Il a que 4 d'encre. Très bien. Bon, il arrive à 5, c'est un peu relou. Je suis un peu devant, mais bon, je peux quand même me prendre. C'est un jeu quand même sensible à. Ah, tuons la bête. Et malheureusement pour gérer Robin, j'ai pas grand-chose quoi. Ouais. C'est pas ça qui va m'aider. On va piocher avec Ariel. On va essayer. Cruelle Diablesse, c'est nul, mais en même temps il n'y a que ça, donc on va le faire. Ouais. Ok. Et donc là, soit je remets Ariel, soit je mets un Diablo. Ariel est mieux parce qu'elle permet de gérer. J'ai réfléchi. Il m'offre son Ariel là en vrai. Qu'est-ce qui se passe si je chante une chanson? Ouais, c'est d'abord la chanson se fait, puis après je bounce Ariel. Puis de toute façon, bounce Ariel, c'est pas forcément en top. Ok, on va dégager. Il en faut peu. Et on va jouer Diablo. Enfin, piocher, je crois. Voilà, Lucifer va rester là où il l'est. On va essayer juste qu'il pioche pas un autre tuant la bête. Il en a déjà passé un. Il faudra faire gaffe aussi aux ce rêve bleu qui vont pas tarder à arriver, je pense. Ok, là ça c'est très bien. Ça peut vraiment avoir des top decks dégueulasses, hein, le deck. Il va l'aventure avec ses trucs. Alors, Flynn, c'est pas mal. On va commencer par faire Ariel. On va voir Peignons les Roses en rouge. Très bien. Et alors, c'est le moment où on va être intelligent. Donc, le plan, c'est. Est-ce que je peux pas tuer Robin? Est-ce que je peux pas tuer tout le monde, en fait? Si je. Robin, il est. Du coup, avec Peignons les Roses en rouge, il sera 2. Ça veut dire que mon Ariel peut y aller, les muses peuvent y aller. Relou un peu. Je le rebounce, tant pis. Ah, je le rebounce, ça je le fais défausser. Mais là, c'est ça qu'il faut faire. Donc, alors, il faut faire. Peignons les roses en rouge. On va le chanter. On va le chanter par Diablo. Ok, peignons les roses en rouge. Cible Ariel et cible Robin. Puis,
les muses Boons Robin. Voilà. Ensuite, je fais défausser. Ouais, mais du coup, je vais lui faire défausser un petit Robin, c'est un peu con. On va taper à cet Ariel, c'est sûr. Est-ce que je refais Peignons les roses en rouge pour me prendre 0 sur Ariel? Non, c'est mieux de garder pour Bouncer. Ouais. Donc en fait, on va faire Cruelle Diablesse pour Bouncer la reine. Ça mange pas de pain. On va le faire avec lui. Non, les muses. Ok, ça c'est normal. Ensuite, on bounce la reine. Puis je tue Ariel avec ça. Je pose Swin Rider. Et là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va être très derrière. À moins qu'il top deck un. À moins qu'il top deck un Thion la bête. Il est vraiment très derrière. Et en fait, je vais pouvoir bouncer à chaque tour maintenant. Un Thion la bête me fait chier. Il me resterait une Ariel. Il faut qu'il les top decké. J'ai vu 5. Ok, donc là c'est parfait. Puisque du coup. Ouais. Ah, il a une carte avant aussi. Ok, oui, bah, il a la reine. Ok, et donc là c'est cool. Puisque maintenant. Je vais pouvoir. Alors ça me sert à rien. Ça me permet de rebooncer Robin. Ouais, Bruno, c'est cool. Bruno, c'est cool. On va rebooncer. Ah, attends. Mais du coup, je vais peut-être pas le faire. Ah, mince, j'ai dit que je faisais. Je peux aussi booncer mes propres trucs, en fait. Je suis un peu con. Je vais booncer mes propres trucs. Parce que là, en fait, je veux bien faire un Bruno sur son Robin. Comme ça, je suis tranquille. Je vais booncer Ariel. J'aurais dû aller à l'aventure avant, tant pis. Ça fait ça. Voilà, on va bouncer ça. Et maintenant, je pense qu'il faut juste aller à l'aventure bêtement. Je vais mettre mes cartes. Oh, je peux lui défausser ça. Attends, sous le sang, ça fait quoi du coup? Non, ça, du coup, ça devient pas terrible. Vas-y, on va faire Cruelle Diablesse. Est-ce que je le fais défausser de sa 2-2 de merde? Peut-être pas utile. Hein. Gardons du fuel. Non, bah, je vois pas comment il revient. Dans l'hiver, ça va tuer Diablo, mais ça suffira pas. Et là, hein, il me reste encore un tour à. J'espère que le. Ouais, de toute façon, c'est gagné. Je vois pas comment je perds. Well played, merci. Deck qui peut être frustrant pour l'adversaire, purée. Parce que déjà, le gris-vert, il est un peu chiant. Mais alors, lui qui te boonce tes bêtes. Pour te faire la défaire défausser, waouh, l'enfer. Et en plus, normalement, quand je go first, c'est encore mieux, mais contre ce genre de match-up, normalement, je suis pas mal, hein, parce que full discard comme ça, ça serait relou pour lui. Sous l'océan, je suis pas très convaincu. Je crois que je m'armerais peut-être plus contre les decks aggro. Merci beaucoup. Ah mais c'est. D'accord, je joue contre toi, c'est ça? Ah mais je joue contre Petit Quick! Oh là là, je vais la fumer. Merci Dozy pour le sub et GG à toi pour la game, ça devait être un peu compliqué. Ah mais Petit Quick, je vais la détruire. Attendez, je go first, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche, on fait un truc comme ça. Ah, je me tâte à. Il en faut peu. Il en faut peu, ça permet aussi de défausser un objet. Ouais. Je chatte pas mal. On défausse Kida. Qu'est-ce que t'as de beau, meuf? Plume en forme d'arrêt, développe ton cerveau. Elle a remis hameçon de Maui, la coquine, pour aller chercher les Diablos. Ok. Ok, je vais la fumer. Est-ce que je fais maintenant mon Diablo? Y a pas d'intérêt, je crois. Je crois qu'il n'y a pas d'intérêt.
Je vais contourner avec des enfers, bonne chance. Ouais, bonne chance à toi, hein, meuf. Hein. En plus, sur le play, je suis pas trop mal. Hein. Selon Thibaut, t'as un super match-up contre bleu-gris. C'est qui? Par contre, comment ce deck est passé à travers de tous les gris, notamment bleu-gris? Celui-ci, c'est vrai qu'il peut se prendre quand même pas mal de dégâts. Hein. Mais après, il défausse. Quand tu défausses agressivement, c'est relou. Ok, elle a développé son cerveau, elle est très forte. Nous, ce qu'on va faire, c'est... Alors, faut pas trop que je fasse le malin en termes de... En termes de cartes ancrables. On va... Non, mais j'ai pas trop de solutions. Je vais faire ça, défausser, il en faut peu. Et en fait, comme je vais piocher avec Diablo, je vais me permettre... Ah, c'est... Non, c'est trop risqué. C'est risqué. Hein. C'est risqué du cul. Est-ce que je vais pas le regretter? Si, je crois que je vais le regretter. Elle avait pas de jeu vol, mais elle a fait développer ton cerveau. Ah, j'ai peur. Ouais, non, allez, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. On espère que par contre je vais. En fait, j'ai deux pioches donc. Elle a redéveloppé ton cerveau. Plume, on va dégager plume, je crois. J'étais entre plume et développe, mais. Voilà, ça me permet. Allez, des cartes en crabe, s'il vous plaît. Sur je vais être compliqué, ça va être compliqué. J'ai encore une chance. Du coup, elle va développer son Vaucerre. Chercher peut-être des jeux vol. Ok. Voilà, touché une glace à l'eau. C'est pas mal. Oui, bah ça m'aide, ça par contre. Bon, de toute façon, j'aurais eu une carte en crabe. Ok, parfait. Prince Jean ou Ariel? Prince Jean ou Ariel? J'ai l'impression que je suis plutôt parti sur Prince Jean. Je vais dégager Criquet. Et qu'on va partir sur Prince Jean pour pouvoir la faire défausser. Agressivement. Et c'est compliqué, je pense, pour le match-up. Hein. Après, elle commence... Bon, elle a quand même beaucoup de cartes en main. Allez, Lucifer, 5 non ancrables. Je sais pas si j'en aurais mis autant. Tu as déjà 4 Diablo, 4 Prince Jean. Je sais pas trop. Faudrait que je regarde un petit peu le deck. Bon, bagarre, c'est de bonne guerre. Ouais. Si elle a pu jouer son Flavorsham, ça va être un peu relou. On va... Alors là, il y a deux solutions. Soit je fais Ariel. Soit je fais Prince Jean et je pioche deux cartes. En fait, si j'ai double Prince Jean, c'est trop fort, quoi. J'ai tenté double Prince Jean. Un peu risqué, mais... On va faire tu te défausses de 1, je pioche 2. Ok, on va redégager un criquet. Et on n'est pas trop mal. Là, est-ce qu'elle a réussi à choper son Flavorsham? C'est quoi déjà ça? C'est une carte action. Carte action, elle peut avoir quoi du coup? Elle peut avoir bagarre. Quelle encre de Maui. Elle peut avoir bagarre. Je vole si elle l'a pioché. Ce rêve bleu, enfin bleu lumière. Elle a repioché une plume, ok. Bon, on va Lucifer. Hein. On va clairement Lucifer. Hein. Ursula ou Ariel? Je pense que je vais regretter mon choix, mais tant pis. Alors, est-ce qu'il avait gardé une carte action? Ou est-ce que je défausse de 2, je pioche 4? On va voir ça. J'avoue, le deck ouvre un petit peu. Bon, encore une fois, j'ai commencé, j'ai eu une main sympa. Mais j'avoue, il a tout. Le deck a tout pour emmerder.
pour emmerder bleu rouge. Je dois cliquer où pour l'accélération, je sais jamais. Ah merde, je sais plus, je crois que c'est. Je crois que c'est. Je crois que c'est justement le truc où tu. Où on voit pas. Mais c'est vrai que c'est mal foutu. Ah, j'espère que tu vas pas discarder les deux alors que t'as. Ouais, je crois que c'est quand, quand t'as ça, je crois que c'est une action, ouais. Voilà. Bon, ça va. Bon, fait chier que tu perdes là-dessus quand même. Ah. Ok. Non, super, c'est. Mais le deck est bien, je pense. Le deck défaut, c'est bien contre. J'ai perdu quand même, certes. Oui, d'accord, mais voilà. Ah, t'as là la bosse. J'avais joué un deck full discard jaune-vert à la sortie de. Je m'étais vraiment essayé de buter à la sortie du 7-3 pour me dire est-ce que le deck peut être viable et j'avais pas trouvé de truc bien. Et. Bref. On part là-dessus, hein. Par là-dessus, on pioche 2, on va l'aventure. C'est un peu bête et méchant, mais ça marche. Oh, les 6 sous. Ok, on va dégager une Ariel, genre. On va aller à l'aventure avec tout. Là, le but, c'est d'aller plus rapidement à l'aventure. Si j'y reprends ce genre, je m'en fous. Il a clairement fait son taf. Le but, c'est d'être. Je suis l'étalon. Non, je suis pas l'étalon en 2 tours, mais. Mais je vois pas comment elle revient. On peut refaire une petite revanche où elle commence. Peut-être qu'on verra la différence. Oh, bah oui, c'est pas une mauvaise pioche. Et du coup, elle m'en tape 2. C'est quand même compliqué, mais. Elle a pu. Moins bien piocher. Bah ouais, il suffit de mettre deux trucs. Il suffit de mettre des trucs qui lore. Hein. On va pas trop tergiverser. L'idéal c'est de mettre Prince Jean plus Flynn. Est-ce que je peux jouer autre chose? Ouais, je peux jouer une Ursula gratos. Au cas où elle est un. Ouais. Vas-y. Bon, on dégueule la main. Au cas où elle est une Tremaine ou un truc comme ça, je pourrais sacrifier mon Ursula. Attention. Et c'est vrai. GG. Salut Wof. Bonsoir Wof. Bonsoir le chat. Pas réussi à me connecter avant. Pas de soucis. Logan, merci à vous deux pour vos lives. Ça m'a donné envie d'y jouer. J'ai déjà claqué plus de 100 balles et j'ai pas fait encore une partie. petit coup, qu'est-ce que tu veux une revanche où tu commences? Ou est-ce que tu as de même à ma toute puissance? Enfin, surtout la toute puissance du deck. Yes, go. C'est parti. Custom. Et on va appeler ça. Revanche. Revanche, j'ai toujours du mal avec. Revanche avec un A, bon sang. Revanche avec une majuscule, s'il te plaît. Je te laisse être la première joueuse et on y va. Jamais. Alors, je go second. Là, ça peut vraiment être une autre paire de manches, hein, clairement, notamment si elle va. Elle peut. J'ai rien qui peut l'empêcher de faire un jeu vol au tour 2. Et donc, bon, bah là, oui. Mais enfin, on va garder ça. Je crois qu'il faut aller. Je crois qu'il faut mulliganer agressivement. Hein. Je crois qu'il faut mulliganer agressivement. Je vais vouloir un Diablo. Est-ce que je garde Ursula ou pas? Vas-y. Ouais, les muscles contre elle, je sais pas si c'est ouf. Ah, quoi que ça gère Flavor Charm. Bon. Elle développe son nouveau cerf. Quelle horreur, tous vers discard. Ah, ouais, j'avoue qu'en plus, il est particulièrement vert, ouais, ce deck. Salut, Matt. Par contre, ça, c'est dégueulasse, hein, excusez-moi. Alors, peut-être qu'évidemment, je joue contre contrôle, donc. Mais. En fait, j'ai envie de modifier son deck, quoi. On va dégager une muse. On va voir un peu sa paluche. Est-ce qu'elle a eu un jeu vol? Est-ce que c'est une grande joueuse? Non! Elle est nulle. Donc il y a jusqu'où j'irai à défausser. Ça c'est cool. Avec Ursula. Sachant qu'en plus elle peut pas. Bon par contre elle a du.
Elle a du matos à Flavorsham. Hein. Si elle touche un Flavorsham, ça va être compliqué pour. Excusez-moi. Moi, j'ai pas eu de Diablo tour 2. Du coup, j'ai encore une draw techniquement pour faire Ursula. Fun d'être tombé sur l'autre dans le ladder. Bah, je soupçonne d'avoir fait exprès pour me. Pour me tag. Il peut plus se passer moi de toute façon. Bon alors. Ursula ou Flynn? Flynn c'est une version plus aggro. Ursula en fait au prochain tour de toute façon elle va faire une. Elle va faire son truc. La question c'est est-ce que je vais vouloir pas jouer autre chose au tour 3? Pour l'instant non. Donc pour l'instant je préfère mettre un Flynn. On va dégager Cruel Diablesse. On va mettre un Flynn Rider. Et on va partir à l'aventure. On va être assez aggro, mais ouais, j'ai des cartes un peu nazes dans la main. Elle a chopé un jeu vol, donc il a préféré mettre jeu vol plutôt qu'une plume. J'imagine qu'elle veut pas faire trop de cartes désavantage, c'est pour ça. Et là, par contre, ma petite Ursula va faire son taf. Aller chercher bleu lumière. Jusqu'où. Ouais, enfin bon, c'est bleu lumière. Elle a bagarre de Médusa, plume. Ok. On va dégager. Alors attends, est-ce que je chante Cruel Diablesse? Je vais. Est-ce que je mets Muse au prochain tour? Sachant que Muse fait pas grand chose. Une autre Ursula, actuellement ça servira à rien. Peut-être qu'elle va piocher un truc bien. Non mais je la mettrai pas là, Ursula. Je la mettrai pas, vas-y, dégage là. Et je vais. Est-ce que Cruel Diablesse c'est maintenant? Ça sert à rien de faire maintenant, je crois. Autant prendre du lore. Donc peut-être que je vais devoir l'ancrer. Plus contre 10 cartes, c'est pas ouf, ouais. Certes. Voilà, beaucoup développé son cerveau, mais je sais pas si. Ça sera suffisant. Bah, elle met quand même plume. Ah, mec, il joue des trucs, hein. Maui. Ouais, du coup, elle pouvait pas mettre Maui ce tour-là. Ok. Et ben. Au prochain tour, je vais sûrement me prendre une Médusa. Je suis à deux doigts de même pas mettre les muses en fait. Je crois que je mets pas les muses, je fais défausser flat. Si je fais défausser flat. Quoique j'aurais même peut-être dû garder pour éviter d'avoir un double ça. Bref, je vais faire ça à fond. En fait, elle, ça la permet de. Elle a pas le choix en fait. Elle va devoir jouer une carte en crabe, puis mettre sa Médusa. Quel meilleur deck contre 10 cartes d'après toi? Bah, normalement, bleu-rouge, c'est pas. Enfin, bleu-rouge était pas mal contre. Contre gris. Là, c'est vrai, contre deck discard, c'est un peu compliqué. On va gérer Flynn, ouais. Bon, là, le truc, c'est que là, il n'y a plus rien. Chat en Diablo. Ah, je peux pas le mettre. Mais... Ah, si, je peux. Oh, c'est bonne pioche là, quand même. Bonne pioche de Diablo. Parce que là, sinon, j'étais un petit peu léger sur les. Contre Discard. Un truc un peu aggro, normalement, ça va être pas mal. Et en plus, aggro est censé être bien normalement contre Bleu-Rouge et contre Discard. Puisque bah tu vas juste poser plein de bêtes qui sont normalement un peu plus fortes que toi. Et basta. On va dégager ça. On va remettre un Diablo. Par contre là elle a accès à 6 sous. C'est un peu à la pioche quoi. Est-ce que j'y vais avec Ursula? Est-ce que j'y vais avec... Est-ce qu'Ursula fera mieux? Je crois pas hein.
On va prendre un de l'or. On va potentiellement lui voler un de l'or si elle va, si elle me tape Ursula. Ah, Sissou? La chatte? La chatte à petit quick? Aïe, 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 aïe. Bien joué, meuf. Rien su faire. Je suis bien quand même content d'être allé à l'aventure avec Ursula. Bon, c'est pas mort-mort. Mais c'est pas facile. C'est pas mort, mais c'est pas facile. Quel est le mieux là? bah bien joué meuf, t'as bien pioché, qu'est-ce que je te dis? Alors t'as Lucifer. Lucifer c'est un peu dégueu. Hein. Et si on l'autre play c'est de faire Diablo Kida. On va peut-être faire Diablo Kida au cas où je chope un alter d'un des deux. Ouais, je sais pas si c'est bien ce que je fais. Finalement, Borum, Lord Borum. Pour l'instant, pas Borum. J'attends encore ma date, mes dates de pour Magic. Aïe, 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 aïe. On va devoir faire une belle. On va devoir lui apprendre le respect. Mais là, j'étais un petit peu léger. En fait, j'ai une main un peu chelou. Je crois, en fait, je crois que juste, à mon avis, là, c'est un bon deck contre elle. Mais juste la version que je joue là, avec toutes les cartes non ancrables, c'est un peu chelou, hein. Super. Je crois que je reviens jamais. Je crois que je reviens jamais. Elle va aller trop vite. Moi, je vais aller trop lentement. Je crois que t'as gagné, meuf. Belle. J'invoque une belle. J'invoque une belle où elle commence. Parce que je pense que j'ai un meilleur match-up. Juste une sortie un peu naze. Ouais, t'as eu beaucoup de chance, hein, à pas se mentir. J'ai pas une très bonne sortie. Je te propose de commencer la belle. Parce que je pense quand même que le match-up il est quand même plutôt à mon avantage. Ça te va? Et pour te flatter, à la place de mettre belle, je mets le mot de passe petit quick. Parce que ça revient au même. Quel tombeur celui-là. Bon, ouais, j'ai eu un départ un peu chelou et elle a bien pioché. On va voir si c'est mieux comme ça. Le Diablo, par exemple, je veux bien avoir un autre Diablo tour 2. Criquet, ça sert pas à grand-chose. Les muses contre elle, pff, à moins de tomber sur. Ah, bah, Prince Jean, je suis content. Clairement, il m'a manqué Prince Jean. Flynn Rider tour 2, ça me semble toujours bien. Il en faut peu pour être heureux. Ouais, c'est pas nul. Criquet va dégager. Ariel. Le problème, c'est qu'Ariel prend un peu la place de Prince Jean. Diablo, on a envie de le garder. Est-ce que c'est bien de garder il en faut peu pour être heureux? Je réfléchis. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ah, je vais dégager Ariel. J'espère juste pas avoir pioché trop de non-ancrables. Ça me plaît, je mentirais si je dirais le contraire. Ouais, mais... Si je disais le contraire, les filles, il faut les flatter. C'est pas très compliqué. Un jour, il y aura des cartes bicolores, oui, je pense. Ouais. Refa quand même un stream technique de drague. Attends. Refa quand même un stream technique de drague que tu nous diffuses ton enseignement pour être un charmeur comme toi. Ah, à quand un stream. Ok, là, pardon, j'avais mal compris. Bah, c'est des choses qu'on se passe de père en fils, quoi. C'est des techniques ancestrales, je peux pas tout dévoiler comme ça. Bon, les mus, je pensais vraiment pas. Est-ce que j'ai envie de dégager autre chose que les muses? Parce qu'en fait, il y a ça quand même qui est pas mal. Non, en fait, ça je crois contrôle, c'est pas ouf, justement. Donc, on va mettre le Diablo tour 1 et on va être content. On va voir sa paluche. Alors, sous fétiche, je suis super en main de départ. Plume en forme d'arête, deux glaces à l'eau, Flavorsham, jusqu'où j'irai. Donc, elle a pas je vole. Par contre, elle a de quoi bouffer. Hein. Flavorsham, il va être content. Hein. Il est minuit, tu devrais FF et couper. Ça va. Après, il drague, mais est-ce qu'il concrétise? Ah, ça va, ça va, ça va. On va pas à se plaindre en ce moment. Bon, ça pioche comme une gorette. Ok, ça dégage muse, ça va en avoir deux. On va développer ce qu'on. On va développer, on va totalement développer ça. On va faire dans un premier temps. Ah non, je peux pas. Ah, je peux pas faire.
Ah, du coup, je regrette un peu la chanson que j'ai dégagée. Je peux pas faire et Diablo et il en faut plus pour être heureux. Malheureusement. Bah, tant pis, je vais faire un Diablo. Hein. Ouais, c'est un peu dommage. Bah, tant pis, on va mettre un Funrider, ce sera pas mal non plus, mais bon. Pouvoir lui dégager une plume, genre, c'était pas mal, je crois. Allez, piochez-moi des bonnes cartes. Pour l'instant, Kida, je ne sais pas encore à quoi elle sert dans ce deck. J'ai l'impression que. Ça, toute la partie défaut c'est pas mal. Mais alors la partie baisse de force. Et en même temps j'ai pas joué contre aggro. Elle fait je vole. Ok. Elle veut garder des armes. Au prochain tour il y a Flavorsham qui pop. On va développer un Prince Jean là. Hein. Prince Jean virer Kida. L'aventure. La main est bonne, là il y a Diablo et Prince. Normalement la main est pas trop mal. J'aurais préféré pouvoir choisir. Oh, ça c'est ça contre elle. C'est. Je crois que je me rappelle que donc quand j'avais joué donc le vert jaune début de série 3, je crois qu'en jaune à un moment donné, il y avait genre peut-être une reine et il y avait que ça en jaune. Genre c'est vraiment la carte qui se curve super bien avec Prince Jean. Après, là, elle a fait beaucoup de cartes d'avantage, c'est pas mal. Sauf que je peux bouncer son Flavorsham, je pense que c'est ce que je vais faire. C'est clairement ce que je vais faire. On va bouncer Flavorsham. Et on va mettre une muse pour ça. Muse sur muse, ça me paraît très bien. Et là, clairement, on va voir un peu le pouvoir de la muse. Puisque donc d'abord, on va défausser avec il en faut peu. En virant Diablo, très bien. Alors, il y a bagarre, bah, on va dégager bagarre. On va dégager. Bagarre, oui. On dégage bagarre et on va bouncer Flavorsham. Ouais, très bien. Ensuite, on va le faire parce que ça mange pas trop de pain. Cruelle Diablesse, pour quel est le. Non, j'avais chier. Cruel Diablesse me fait perdre 2 d'encre. 2 de l'or, pardon. Est-ce que c'est pas un peu greedy, sachant qu'elle a plein de cartes en main? Ouais, je vais pas faire plus Cruel Diablesse maintenant, ça sert à rien, elle a trop de cartes de toute façon. Je suis déjà à 8, c'est pas mal. Pioche avec Diablo, ça c'est vraiment une carte de merde. Bah, encore une fois, je répète, hein, que. Mais je pense que c'est pas bon, je pense que c'est pas bon. Parce qu'en fait, 2 ou moins. Ouais, je sais pas. Bon, mais alors là, ça va être le moment où on va déchaîner les enfers de la défausse. On va déchaîner les enfers de la discarde. Alors, est-ce que je peux gérer Médusa? Non, malheureusement. Alors, je peux, mais en le défaussant machin, quoi, en faisant par exemple, pas de Bruno, ce que j'ai pas du tout envie de faire. Je crois que faire full discard maintenant, c'est pas mal du tout, hein. Je fais ça, plus ça. Ça, je m'en fous. Il y a Ariel, j'aimerais bien la mettre aussi. Elle peut pas mettre 6 sous au tour d'après. Je sais pas si elle joue Soyez prête. Je réfléchis. Ça me fait chier de mettre qu'une Ariel maintenant. L'avantage de mettre Ariel maintenant, c'est que du coup, je peux faire un Bruno au tour d'après. En fait, j'ai l'impression que Lucifer est aussi bien que tu m'as oublié parce que j'ai. Ah, si, si, non, la désaction. La désaction. La désaction. Je crois qu'on va pas la faire défausser tout de suite. Elle a trop de cartes, encore une fois. Ah, bah, zut. Cool. Bon, après, c'est pas pour ça que je la mettais. On peut quand même faire Cruel Diablesse flat, ça mange pas de pain. Merci beaucoup pour le sub qui a fait ça. Greg, merci beaucoup. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, ça dégage. Et je vais faire une cruelle diablesse, ça mange pas de pain pour le coup. Permet juste de piocher. Ouais, c'est normal. Ah oui, c'est vrai que je peux bouncer mes trucs à moi. Hein, j'avais zappé. Faut pas que j'oublie ça. Je crois que je veux rien bouncer en fait. Non. Mais j'aurais dû.
Merde, merde, j'ai select. Non, j'ai select. Fais chier. Oh, j'ai select. Sa race. Oh, fais chier. Putain. Mince, j'ai select. Oh, c'est relou. Flynn Rider, tant pis, hein. Aïe, 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 ça c'est chiant. Et les muses, sinon. Les muses, sinon. Ouais, maintenant les muses, ils ont fait leur taf. Pas fou, hein. Ah, là, il va bien contrecarrer la défausse, hein. Parce qu'elle pioche énormément là, hein. En même temps, avec Flavorsham et autant de glace à l'eau, je peux comprendre. Mais j'arrive pas à la faire tomber à zéro carte. Donc là, si elle va, si elle joue un truc, si elle ancre un truc, ok. Qu'elle en joue un autre, genre une plume peut-être. Je sais pas s'il lui restait une plume. Ah, ou au bagarre. Ah, si elle cible Ariel, je pense qu'elle a bagarre. Ouais, parfait. En vrai, ça m'arrange un peu. Parce que il lui reste que 4 cartes. Ah, elle va faire bleu lumière. Bah, il va quand même lui faire, il va quand même lui rester 4 cartes. Ah, c'est relou parce que là, je retombe encore en mode 6 sous. 6 sous me baise. Et elle m'a géré ma Ariel. Ah, elle peut s'en sortir, hein. Elle peut s'en sortir, la coquine. Bon, je défausse flat là, hein. Je défausse agressivement. Il faut que je défausse agressivement, vas-y. It's time to discard, exactement. Alors, ça c'est bon. Ok. Ensuite, ah, j'ai pas récupéré d'autres cartes de discard, je suis un peu déçu. Et du coup, je vais faire que ça ce tour-là. Oh. Scoopy, pas super super bien. Le fait qu'elle ait pioché bagarre, c'était pas mal. Mais là, contrairement à tout à l'heure, si jamais, même si elle fait 6 sous, j'ai quand même de quoi revenir, de mettre plein de bêtes, quoi. Ouais. Ça m'arrange pas des masses non plus, mais bon. En tout cas, je pense que je suis pas mort non plus. J'ai quand même un Lucifer. Ouais, en fait, mes Lucifers vont lui faire mal. Parce que ça prend 2 de l'or. Ah, ça va pas être facile, hein. Hellerov, grand merci, car grâce à tes super conseils sur le canal, j'ai réussi mon premier 7 victoires en draft sur Magic Arena, t'es le boss. Ouais, merci, mec. Ah, bon, d'accord. Alors, Lucifer, c'est peut-être plus le bon, le bon poulain. Et elle a pas voulu piocher, bien joué. Ça se goupille mal là, je pioche mes chansons dégueulasses à 8. Aïe aïe aïe, elle va gagner, je vais entendre parler pendant longtemps. Ah, je vais piocher Ariel. Je pioche sur Ariel. Bon, la. Très bien, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est très forte, elle arrive à jouer contre moi qui fait. Qui voit pas ce que je veux. Diablo ou Muse. Oh, putain, en plus elle va pouvoir faire ses Flavorsham au tour d'après. Elle va m'embêter. Elle va m'embêter, purée. Aïe 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 aïe. Non mais ça c'est les sous l'océan, excusez-moi, j'ai envie de tout casser. Tu pouvais le Bruno. Ouais, mais du coup je faisais que ça, quoi. Mais ouais, t'as peut-être raison, fallait peut-être faire Faversham sur Bruno. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a 6 ou 1? Ouais, je pense qu'elle l'a fait au cas où, quoi. Tamatoa. Bon, Tamatoa, il... si c'est possible, on va le. Oh, attends, je peux peut-être revenir. Si elle me laisse mon board, je peux faire Lucifer Bruno. Laisse-moi juste mon board, tranquille. Ok, bon. Bon, déjà, je peux gérer Tamatoa. Le problème, c'est qu'en fait, il y a Flavorsham aussi qui fait chier. Et ça gère quoi ça? Je peux taper Flavorsham éventuellement. Je peux tuer un Flavorsham en faisant ça. Sauf que du coup, je peux pas faire l'autre truc. Bon, je pense qu'il faut d'abord gérer Tamata. Ah, je sais pas en fait, c'est Tamatoa ou Flavorsham. Ah là 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 là. Oh,
plus je ferai que ça à ce tour-là. Non. Je ferai pas que ça justement. Parce que je peux chanter avec Ariel ça. Le problème c'est que Faversham ça va creuser. Alors que Tamatoa en fait creuse que de 1, sauf que Tamatoa peut me tuer facilement. Oui, attends. En fait Tamatoa on va le gérer parce que il va me faire mourir. J'ai une main dégueulasse. Bon, je vais développer du board. Et ah, j'aurais pas pu. Ah, j'aurais peut-être pu. Ah, j'aurais pu faire sous l'océan flat pour juste tuer ta Flavorsham, mais ça m'évitait qu'elle pioche. Je pense que c'est ça qu'il fallait faire. Ouf. Oui, si, je pense. Oh non, elle a encore chopé ses sous. Bien joué, meuf. Bien joué. Well played. Ouais, du coup, même à Flavorsham, fallait pas besoin de Flavorsham pour piocher ses 6 sous. Elle rigole dans le chat. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe, j'ai envie de la punir. Mais là c'est compliqué là. Bah bien joué. Ouais, regarde ma main. Voilà. J'avais des putains de sous de l'océan. Crois-moi bien. Crois-moi bien. Que je vais revenir avec une version de chez Bibi de défausse et là tu verras pas le joueur parce que il a combien de cartes en ancrable en fait? C'est scandaleux. Attendez. Quatre, huit. Ouais, j'ai pas eu de chance, il y en a 14, c'est quand même 14, c'est quand même mais enfin surtout à quoi ça sert ce truc quoi. Et là en vrai contre elle, qu'est-ce que je mettrais? Est-ce qu'il y a pas moyen de mettre un peu de Bucky dedans? Mais je crois que les haltères sont pas ouf. Quoi que l'alter jaune, il y a quand même l'arène qui est pas mal. Kida éventuellement. Ouais, je sais pas, il y a peut-être un truc à faire. Un peu plus de skill peut-être. Bon, je vais arrêter sur cet affront. Ça fait 2 heures de live, c'est parfait. Écoutez, c'était très cool de jouer à l'Orcana avec vous. Normalement, demain, donc Friendzone de 18h à 20h. Et puis, il y a de fortes chances que je vous retrouve donc à 22h. Avec peut-être une nouvelle version de jaune-vert, je ne sais pas trop. En tout cas, voilà, là pendant 2 semaines, je vais... Bucky jaune le fameux, on verra, il y a peut-être un Bucky Prince à faire. Mais en tout cas, oui, clairement, la discard est chiant contre elle. Enfin, contre elle, je cherche pas à jouer contre le petit Quick. Je cherche surtout à être pas mauvais contre Bleu-Rouge. Et le fait d'avoir dans son pack 4 ça, ah, elle a que 2 ça. En fait, c'est ça, faut en mettre plus de ces trucs-là. Au pire, tu les craches sur Diablo, quoi. Si j'avais eu plus de ça, j'aurais été pas trop mal, peut-être. Faut quand même mettre un maximum de chansons. Pourquoi ce jeu n'a pas Ursula à 3? Parce que du coup, tu peux faire double muse, on est d'accord, Ursula à 3. Ouais, bref, il y a des trucs à revoir, je pense. Hein. Si tu Ursula à 3, ça va, ça, je pense que ça fait le taf. Est-ce que c'est bien utile d'avoir des Kida? Enfin, je m'en suis pas servi beaucoup. Alors que par exemple, la reine, tu peux faire au tour 2 Bruno. Je pense que c'est très bien de faire Bruno au tour 2. Hypnotiser, ouais, hypnotiser c'était bien. Bah justement, en fait, donc là j'ai testé un peu cette version là. Mais sur la version ici là, il mettait quoi déjà? Qu'est-ce que je mettrais de cette version là? Oh, Six the Scroll, jamais de la vie. Ring the Bell, je pense pas. Hypnotize, effectivement, c'est fort. Il met 3 Forgotten Enemies. Des Merfolk. Effectivement, pourquoi il n'y a pas des Merfolk dans ce jeu? Ah, bah oui, il a préféré. Il a dit, bah non. Ah, bah non, il a dit, bah, j'ai beaucoup trop de cartes en ancrable. Ah, bah non, bah faut que je fasse de la place pour Under the Sea. Ah, mais là, tu me mettais 4 Merfolk, on était bien. Des Flynn Rider, peut-être. Pas. Faut voir. Des Piglet. C'est pas nul, Piglet, mais. Des kits, kits c'est bien kits en vrai. Ah, mais des kits plutôt que des Under the Sea de mort là. Tu faisais kits sur Flavorsham, t'étais content quoi. Daisy peut être aussi pas mauvais. Ursula, à voir, elle est en crabe, on faut faire gaffe. Mais en vrai, il y a peut-être un monde avec Ursula
Ursula la reine. Oh, il y a peut-être un Bucky Prince jaune, jaune-vert qui peut être intéressant. Ça l'a fait chier aussi, mais bon, c'est non ancrable, faut faire attention. Bref, ouais, je pense qu'il y a un jaune-vert assez sympa à faire. Pourquoi se passer du gris? Le gris, il est bien, mais en fait, il a des cartes qui se font... En fait, à part éventuellement des Benja ou des... Enfin, les Aladdin, le gris a des mauvaises cartes contre rouge. Enfin, rouge-bleu, quoi. Et là, en fait, en jaune, tu vas du coup ajouter bah, notamment cette carte qui est vraiment relou, surtout si t'as un Prince Jean. Cette carte qui est bien parce qu'elle peut aller chercher les objets. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Bon, après, attention. Je vais avoir peut-être un bon match-up contre bleu-rouge. Et puis derrière, je vais me prendre un deck un peu plus. Enfin, un deck différent. Et je vais me faire ouvrir. Donc, faut faire gaffe, évidemment. En tout cas, bleu-rouge, on peut l'attaquer par la défausse. Et oui, je pense que c'est un peu compliqué pour lui. Il met des couscous et tout. Bref, en tout cas, il y a sûrement un truc à faire. On verra peut-être demain. On verra peut-être demain. Des dizzy vertes étaient cool aussi. Ouais, mais un peu lente. Là, la dizzy jaune, elle fait directement son effet. Je crois que je la préfère de loin à Frère Tuck. Qui peut être inutile. Ouais, à voir, à voir, à voir. Bon, il y a des trucs à faire en tout cas. Même si, genre, je sais, désolé, je sais que défaut, c'est pas le truc le plus sympa à jouer contre. Mais que voulez-vous, hein, là il faut bien gérer les gens qui se permettent de mettre des 6 ou à 8 et de ne pas trembler en les mettant. Merci à Tidus LD, Tidus, pour le Prime, ça fait très plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à balancer vos Primes et autres si vous en avez. L'effet qu'une seule fois et un lore de moins. Oui, mais en fait, regarde, tu as une 2-3 qui fait rien quand elle arrive et qui actuellement se prend toute la 8 à 2. C'est-à-dire les bagarres, les 6 sous, etc. Donc moi je préfère vraiment un truc qui fait un effet d'arrivée en jeu, plutôt que Inch'Allah au prochain tour ça se passe bien, quoi. Bref, surtout que du coup l'adversaire a le temps de éventuellement poser des trucs pour plus rien avoir en main. Non, j'ai jamais trouvé, mais... Enfin, des fois elle peut faire des trucs un peu sympas, mais je crois que je préfère les trucs qui arrivent en jeu, qui font un effet direct. Bref, et bah des bisous tout le monde! Sûrement à demain, donc je vous dis Friendzone sur la chaîne de Maxilan à 18h et peut-être, probablement, du 22 minuit sur l'Orca sur Pixelborn, tant qu'on peut. Voilà. Allez, bisous tout le monde et encore GG à petit quick. Ciao, ciao.